matin, on va refaire un petit tour, peut-être pour les nouveaux, repréciser des choses si besoin est, et pour les anciens aussi. L'idée, c'est de faire une heure en salle, et puis après, comme il y a une demande assez importante sur la question de la trogne et de l'arbre têtard, de sa plantation, de sa gestion, de sa création, parce que la trogne, ça se crée aussi, hein, quand il y a des arbres présents, la notion d'agroforesterie, planter, c'est bien, gérer l'existant, c'est tout aussi important, la régénération, donc on va faire un petit tour d'horizon, ici même depuis les ouvertures, on voit des trognes, donc ça tombe bien, on ira les voir de près, les tailler. On commence par les règles de plantation, si vous voulez, hein, que vous les imprégniez bien. Il y en a 10, je vous laisse faire. Il n'y a pas forcément d'ordre. Alors, il y a des choses qui ont été faites, d'autres qui seront à faire. Mais... Alors, pour bien planter un arbre en agroforesterie, qui plus est viticole, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Puisque, on le rappellera jamais assez, un arbre sur deux planté dans le monde, et la France n'échappe pas, il pousse mal ou il crève. En tout cas, il ne remplit pas les rôles, qui sont au départ... qui ont été prévus. Les bonnes essences. Puisque je le rappelle, un arbre, ça doit être bon pour amortir les chocs climatiques, puisque c'est un peu ça notre job, amortir les chocs climatiques, réguler, stocker un arbre, ça stocke de l'énergie, ça fait des réserves. Donc sur la question du climat, il y a une autre entrée en matière, c'est celle de la biodiversité, puisque ça doit en produire et en héberger la biodiversité. Ça doit réguler des flux d'eau, de trop à pas assez. Quand il y en a trop, je l'enfonce et je lui donne dans cette verticalité, je la stocke. Quand il n'y en a pas assez, par les systèmes d'ascenseurs hydrauliques, je la fais remonter par les ponts et les champs mycorhiziens. Ça doit aussi avoir une entrée en paysage, dans quel paysage je suis, mais aussi une entrée agronomique de premier rang, puisque l'arbre créateur de sol. Si je pousse les curseurs un peu plus loin, éventuellement créateur et amplificateur de terroir, puisque c'est lui qui altère la roche-mère. C'est lui qui fait la pompe à nutriments et qui remonte donc tous ces éléments par les racines-feuilles, par les branches, par les feuilles en tant que telles, etc., etc. Donc eau, sol, climat, biodiversité, paysage, productivité. Les oiseaux. Faune, hein, la biodiversité, la faune sauvage... C'est la génomique biologique. Je ramène de la vie, je ramène des auxiliaires, je les héberge, je les nourris et je permets leur reproduction. Et puis l'entrée qui nous concerne tous, qui est normale et qui est logique, qu'on met en dernier parce que c'est la plus importante, c'est la notion de productivité. Je prends un peu de place avec les arbres, mais comme ça agit sur tous ces facteurs conjugués et croisés, ça doit me rapporter un peu. Et limiter ces à-coups, ces grands chocs et tous ces problèmes, évidemment. Donc la productivité, c'est combien j'investis, combien je mets, qu'est-ce que ça me fait pour réduire ces problèmes. Et puis, cerise sur le gâteau, mais à venir, on parle beaucoup de la sortie de la fertilisation, en tout cas la réduction, hein, de quelque nature que ce soit, vers la fertilité. On rentre dans la notion de fertilité et éventuellement d'autonomie et de plus de fertilité, donc d'une fertilité produite in situ. Donc l'arbre est aussi le producteur de la biomasse dont on peut avoir besoin. Le bois broyé, le fameux bois broyé, celui qu'on va chercher parfois loin, avec une énergie importante. Lui, on peut peut-être le produire in situ. Voilà, tous ces facteurs conjugués, ils sont nombreux, il faut que ça fonctionne. Donc, la première règle pour planter un arbre, pour que ça fonctionne, c'est quoi? C'est préparer le terrain, évidemment. Le travail du sol. Bon, ça c'est fait, on y revient. C'est le sens. Est-ce que sur le travail du sol, il faut repréciser des choses ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, un petit peu quand même. Un petit peu? Oui, bien sûr. Hein? Donc le travail du sol, c'est, sauf sur un travail avec une biologie incroyable, sauf sur une structure invraisemblable qui n'a pas été démontée, perturbée par des outils de quelque nature que ce soit, ni compactée, le gland dans la forêt tombe sur un sol forestier et pousse très bien comme ça.
Sauf que quand on plante en vigne, souvent on y a roulé, souvent on y a fait des interventions diverses et variées. Donc on conseille vivement, sauf qu'à contraire, on conseille vivement un travail du sol en profondeur, sans jamais faire de trous et sans jamais retourner les horizons, qui est donc un décompactage, un sous-solage ou une fouille type dans X ou Y. Hein, sur prairie. Aussi, éventuellement, sauf si la prairie est vraiment en très très bon état. Auquel cas, une prairie qui a été poussante, sur laquelle on peut mettre un paillage. Il y a un certain nombre de choses qui se font comme ça en maraîchage sur sol vivant, à apprécier au cas par cas. Mais dès qu'on a un risque d'une semelle de labour, un risque de zone de compaction, un risque de motte, avec une structure qui est plus faite de mille feuilles, mais qui ne sont pas forcément connectées les uns aux autres, on met un coup dedans. Ça sera la dernière. On met un coup dedans et on descend tant que ça peut descendre. Il faut le faire juste avant plantation ou on peut l'anticiper? Alors il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper au maximum parce que ce sous-solage ne peut se faire qu'en conditions sèches. Juste réhumecté en surface. Hein, la surface est réhumectée. Quand ça rentre, ça rentre. Un sous-solage, c'est un éclatement. Un éclatement, c'est en conditions sèches. Sinon, on fait du lissage. Hein, c'est pour ça qu'on déconseille vivement, sauf cas exceptionnel, quand on est dans du sable pur, on peut foutre un coup de tarière, ça ne change rien. On fait ce qu'on veut. Dans les sols, et notamment dans les sols argileux, le sous-solage en conditions sèches, c'est comme ça qu'on fait le bon boulot. De toute façon, la plantation, elle se fait par étapes. Donc, sous-solage, ça peut se faire. Ça peut pour se garder, faire. En fait, pour éviter. Oui, oui, oui. Tout est possible. Un sol n'ayant pas besoin d'être ni travaillé ni nu, à chaque fois qu'on peut lui donner une plante, il va chercher lui à faire une réparation. À chaque choc d'outil, il va mettre une réparation, le sol. Donc si on lui donne une plante qui correspond et qui va bien, et si mieux que ça, on peut poser les paillages à l'avance, c'est parfait. Puisque le paillage, sa fonction, elle est multiple, mais si on utilise des paillages de type bois broyé, puisque bois broyé et paille, c'est les deux meilleurs, ces deux éléments-là sont aussi la nourriture du sol. Le sol va s'occuper à les digérer tranquillement. Donc le paillage est le vecteur de la fertilité de ce sol. Donc sous-solage, et puis, on le verra tout à l'heure, ce dont on a absolument besoin, c'est de la terre fine en surface. On a besoin, pour planter un arbre, d'un lit de semences, toujours. Un arbre, ça se plante dans de la terre fine et certainement pas dans des mottes. Même si on le prône l'arrêt du travail du sol, là, il faut en mettre. Sauf, encore une fois, structure impeccable et excellentissime qui ressemblerait à un sous-bois. Donc, affinage, sous-solage et affinage. Voilà, la première étape. L'étape numéro 2. Du plan de qualité. Du plan de qualité. Du plan et des plans. C'est quoi un plan de qualité, du coup? C'est un plan qui est bien enraciné, qui est vigoureux. Ouais, donc il a de la racine. Du bois, de la vigueur. Il n'est pas trop vieux. Il n'est pas trop vieux. C'est du plan, c'est du jeune plan, donc on parle bien de jeune plan, un an. Si possible, en racine nue. RN est autour de 30 à 60 cm. Ça, c'est la norme, c'est la règle. Ça peut être un peu plus petit, un peu plus grand. Vous avez des essences qui poussent très vite, qui vont développer du 80 cm dans l'année. Mais jeune plant, un an, racine nue, 30-60. Avec quelque chose qui est extrêmement important. Dessus, il faut y mettre une AOC. Un plant, c'est toujours dans une AOC. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça vous parle? Une identification géographique, quoi. C'est ça. Eh oui. Le plant, l'origine est extrêmement importante. Il nous faut une génétique agroforestière et une génétique locale et adaptée. Dans ce contexte dit de changement climatique. Il faut plutôt se fournir chez quelqu'un de local dont on est sûr, ça fait partie du travail que l'on a mené ensemble là ces derniers temps, dont on est sûr qu'il est effectivement récolté, sélectionné, récolté et mis en production avec cette base-là. Ce n'est pas votre métier, a priori, mais ça sera le métier
de la personne responsable de la cellule Viti en Champagne. Donc un bon plan au bon moment, dans les bonnes conditions, avec une bonne génétique. En troisième position, il nous faut quoi pour planter un arbre ? De la main d'œuvre. De la main d'œuvre. C'est vrai, c'est vrai. Il nous faut de la main d'œuvre. Il nous faut de la main d'œuvre. Il nous faut des gestes précis, un savoir-faire. La technique de plantation, elle est très importante. Donc il faut des planteurs. Il faut des planteurs formés et informés, puisqu'on pense savoir planter un arbre, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pareil pour la vigne. Je pense qu'il y a des similitudes extrêmement importantes, hein, mais ce geste-là, qu'on verra évidemment sur le terrain, du collet, de sa position, de comment on referme, quel type de terre on met, pourquoi on tasse, pourquoi on n'arrose pas forcément à la plantation, ça ne s'improvise pas. Planter un arbre, ce n'est pas un coup de pioche, un coup de pied, et je passe au suivant. Sinon, il meurt. Des fois, il ne meurt pas. C'est parfois le problème, c'est que parfois, il ne meurt pas, mais il fait une espèce de il végète, c'est le mot. On a beaucoup de cas de figure où on ne sait pas trop quoi faire parce que ça végète, c'est pas mort, ça fait un peu de feuilles, ça ne pousse pas vraiment. Et ça, c'est très ennuyeux parce que nos objectifs, même si je les ai répétés en introduction, nos objectifs et nos ambitions sont tout autres. Ça. Mettre toutes les chances de notre vie. Je rappellerai d'ailleurs, entre parenthèses, que un arbre, ça doit être poussant. Et ça doit être poussant tout de suite. Première, deuxième année, ça doit pousser. Ça ne peut pas stagner. D'ailleurs, les écosystèmes nous le montrent bien. La définition d'un sol, c'est d'avoir sa ration annuelle et ça d'avoir une plante poussante dans l'année, au moins pendant 2 mois. Une plante poussante et très dynamique. C'est ça qui crée et qui constitue un sol. C'est la dynamique de pousse. Ce n'est pas la dynamique de stagnation. Si vous regardez des zones de gazon, y compris en Viti, entre parenthèses, hein, quand on tombe tout le temps, ben, on a ça de gazon et on a ça de racine. Alors même sur des vignes plantées à 1 mètre, on n'occupe que 10% de l'espace sol qui est à notre disposition parce qu'on anifie les plantes et qu'elles n'ont pas leur expression racinaire correspondante. Et on le voit souvent. On a 1 hectare de sol, on a 10 000 pieds hectares ou presque, et il faut exprimer et utiliser l'ensemble du sous-sol. Faire un maximum de photosynthèse, prendre toute l'énergie solaire, mais prendre aussi tout l'espace sol. Et ça, il y a un boulot qui est intéressant. Les couverts font évidemment partie de la boucle. Donc des planteurs formés, chacun d'entre vous aura une équipe, chacun d'entre vous qui plante cette année aura une équipe à former. Ceux qui savent, ok, peut-être, mais on vérifie. On regarde ensemble que le geste soit vraiment mis en œuvre correctement. En 4, il nous faut quoi après les planteurs ? Alors, faut pas oublier les planteurs, hein, c'est la corvée, donc un coup, un bon coup, une bonne grillade à midi. La corvée, je le dis en rigolant, mais la corvée, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on discute, c'est comme ça que ça se passe. Et planter un arbre, il y a peu de gens qui... Je vais le dire différemment, planter un arbre, ça intéresse tout le monde. Ça reste un acte fort et symbolique. Il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, ça fait de la charpente, après. C'est ça, hein, que tu regardes. Ça stocke du carbone et ça permet de nous mettre à l'abri. Hein. Le gîte, le couvert, enfin la maison, quoi. Le geste de plantation, ça va intéresser de plus en plus de monde. Quand vous planterez à grande échelle, il faudra du monde pour planter. Mais derrière, il faut cadrer. Alors, il nous faut quoi en quatrième position ? Est-ce qu'il faut faire des analyses de sol pour le pH ? Alors, oui, bien sûr. Ça, c'est primordial. On le met ici parce qu'encore une fois, on n'a pas hiérarchisé la position. Je mets maintenant quelque chose qui s'appelle... Ça a été fait pour certains d'entre vous, ça s'appelle un projet. C'est la base de tout. Il n'y a pas de recette de cuisine, il n'y a pas de répétition possible. Il y a une liste d'essences qui est fermée, je serais tenté de dire, mais une liste d'essences qui après s'adapte à chacun des
terroir, le territoire, des îlots, des parcelles et une essence, ça se plante sur un mètre carré. C'est-à-dire que celle-ci, on la met là pour telle et telle raison. On la met là parce qu'il y a un affleurement calcaire. On la met là parce qu'il y a une zone humide. Hein, vous avez des zones, des résurgences d'eau. Donc chaque arbre, dans notre mosaïque agroforestière, chaque arbre, on sera à sa place avec un rôle bien précis. Donc, on n'est pas dans le « oui, mais le noisetier, ça pousse chez moi ». Non, ça, ça n'existe pas. Oui, mais on pourrait… Non, non, il y a une quarantaine d'essences, il y en a 20 majoritaires. On travaille avec cette palette, avec cette mosaïque, mais en aucun cas, c'est pour ça que je donne des éléments, mais jamais on dira « bon, ben, t'es plutôt là, dans telle zone, à tel endroit ». Non, ça, ça ne marche pas. Ça marche en partie, mais ça ne marche pas. Le projet, il se fait avec vous, sur le terrain, à la parcelle, en fonction des besoins, en fonction des contraintes et de toutes ces données, y compris et surtout ces conditions pédoclimatiques. Parce qu'il y a les conditions pédoclimatiques, il y a le climat changeant et puis il y a l'état du sol dans lequel on va le trouver. Votre sol, il est toujours bon, mais vous avez fait un échange avec un voisin qui a un sol pourri. Oui, c'est toujours comme ça, hein, ça, c'est le bon sens paysan. Donc comme c'est pourri chez le voisin, les deux parcelles se touchent, au départ c'est le même sol, mais donc, comme il a travaillé comme un goré, bon, ben, de l'autre côté, on va mettre des essences un peu différentes parce qu'on va trouver un sol avec un taux de matière organique qui est deux fois plus faible et des zones de compaction qui sont avérées, qui sont difficiles à récupérer et ce qui s'appelle chez nous des mouillères, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, sur lesquelles il va falloir ajuster les curseurs pour pouvoir les drainer et les reprendre. Là, donc, quand on a la gamme d'arbres, après, on va vraiment aller choisir. Donc, le projet, évidemment, et puis ce qui est intéressant et important dans le projet, c'est que c'est une construction. Qui dit construction, c'est ensemble. De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que chez vous, comme partout, est-ce que chez vous, il y a vraiment plus de vent qu'avant? D'où il vient? Combien de jours par an? Le vent, c'est 30 à 40% des problèmes sur la vigne, quand il y en a trop. C'est un facteur déclenchant et aggravant, énormissime, qu'on sous-estime souvent. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Bien sûr, c'est absolument. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut le regarder de près. Il faut enlever le côté stressant en gardant le côté circulant. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des ajustements très fins. Une orientation, c'est est-ouest. Il y a des orientations favorables. Il y a des orientations favorables, mais là aussi, en fonction de ce que l'on veut faire, en fonction du côté pratique, hein, il faut garder de l'ergonomie. L'idée de l'aménagement, c'est qu'il faut que ça passe dans toutes les conditions à tous les instants. Donc ça ne peut se voir qu'à la parcelle. L'idée étant de trouver le juste milieu pour pas pénaliser le développement de la vigne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut amener juste un peu d'ombre et de demi-ombre, d'où l'importance du sujet suivant qu'on va traiter. Donc après le projet, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le projet, après, il y a évidemment une date, il y a une période. On plante à quelle lune? Ah, ben mettez-vous d'accord. Ah, ben alors ça, c'est la racine, on va dire. Alors, on plante en montante ou en descendante? En descendante. Ça passe quitter la serre. Alors déjà, on est bien d'accord que quand je marque période, c'est qu'on plante en hiver, hors jour de gel, n'est-ce pas? Comment? De novembre à mars. Oui, si possible, un peu avant mars, on plante décembre, janvier, février. Après, il est des années froides où les sèves ne repartent pas, mais décembre, janvier, février, c'est une... Hein, on peut riper un peu avant, on peut riper un peu après. Mais par contre, il faut vraiment s'interdire de planter des arbres en mai. Oui, mais comme on plante parfois de la vigne très tard, je préfère le dire, parce que traditionnellement, on plante la vigne tard. On ne sait pas toujours pourquoi,
Jusque-là, on dit on a toujours fait comme ça. On est d'accord. La raison l'emporte, du coup. Hein? Donc la période décembre, février, à peu près. Là aussi, hein, ça dépend des régions. Ici, on est dans le Grand Nord, donc on peut ripper un peu les curseurs. Vous savez ô combien la Lune est importante en agriculture? Les arbres n'y échappent pas, même certains d'entre nous, ça empêche de dormir, ou en tout cas, ça perturbe un petit peu. Ça modifie le diamètre des arbres, la Lune. Oui, ça joue sur les marées. Ça joue quand même sur les marées, hein. Les pêcheurs vous le diraient, par l'eau douce en l'occurrence. Donc ça joue sur beaucoup de choses. Il y a même des agricultures qui s'en servent beaucoup. En tout état de cause, un arbre qui n'est pas coupé à la bonne lune, il est rapidement vermoulu. Je schématise, hein, parce qu'il y a d'autres phénomènes, mais donc il faut garder prudence avec cette question-là. Bien que parfois, on fasse ce qu'on peut. Il n'empêche, et oui, parce que s'il gèle pendant 8 jours et que tu as une fenêtre de tir, bon, ben, hein, c'est comme pour la taille des trognes, on les taille quand on peut, au final, pour être sûr de faire quelque chose. Il n'empêche que ça vaut peut-être regarder. En 6, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Paillage. Le paillage. Pourquoi le paillage, du coup ? Souvenez-vous. Humidité. Pas de dessèchement. Structure, pas de dessèchement. Protection contre les UV. Protection contre les UV, du coup. Pas de pousse de mauvaises herbes aussi. Pas de pousse de mauvaises herbes. Ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Pas de pousse, faut faire gaffe au vocabulaire. Pas de pousse de plantes bioindicatrices de réparation des sols. Comme le chien d'an, par exemple, au hasard. Une plante qui a toute sa latéralité pour commencer à faire le boulot pour préparer pour les autres. Ça attire les campagnols et compagnies. Par contre, ça attire les campagnols et compagnies. Donc, peut-être qu'il ne sera pas interdit dans les plantations de mettre de temps en temps un tuteur un peu haut pour les buses. Hein, pour pas que les buses se posent sur les arbres poussants, parce que là, elles les casseraient, et de temps en temps, de mettre un perchoir à buses, ça permet de réguler les campagnols et les mulots, et ça permet d'éviter que les buses, qui évidemment, j'allais dire, elles aiment dominer, c'est pas qu'elles aiment dominer, c'est juste qu'elles ont besoin d'un champ important de vision pour pouvoir gérer le parasite et ce qu'on considère, et à juste titre, le problème. Je rappelle pour mémoire que le paillage, il doit impérativement tenir 3 pouces. Donc ça vous donne une très très bonne indication. Les 3 premières pousses, c'est-à-dire celles de maintenant, plus les 2 suivantes, là on plante cet après-midi. Et on peut le recharger. Et on peut recharger. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant, au contraire. Au contraire. C'est pas gênant, au contraire. Pas une seule herbe au pied de l'arbre, sur presque 1 mètre carré. Alors après, quand on est sous le rang, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Hein, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais pas une pousse de quelque herbe que ce soit les 3 premières années. Si je veux dégrader le système racinaire de mon arbre, si je veux faire en sorte qu'il se développe mal, je laisse l'herbe au pied. On ne le répétera jamais assez, l'arbre il n'est pas programmé, il ne sait pas pousser dans l'herbe. On paille avec quoi alors ? Alors on paille principalement avec de la paille, du bois broyé et ou de la paille. Après, il y a d'autres types de paille. Aujourd'hui, c'est important. On a souvent du grain dans la paille. Oui. Donc, ça, c'est. T'as une pro-germination derrière. Ouais. Ça peut être un problème. Ouais. Ça peut être un problème. Si possible, pour la paille, si possible, on paille avec de la paille que personne ne veut. C'est-à-dire que celle qui a fait les toits des chapiteaux, celle qui a traîné, celle qui est déjà. De la paille qui est déjà un peu humide. Alors. Qui est déjà un peu humide, éventuellement ça a déjà germé. Ça a pu germer déjà. Hein, ça a pu germer, et plus elle est humide, plus ça fait des tampons, mieux c'est. Parce que ce dont on a besoin, c'est vraiment une zone de protection. Et puis une paille qui serait trop belle, trop fraîche et trop neuve, entre parenthèses, elle aurait tendance à s'envoler un petit peu. Et une paille de litière animale? Si c'est une paille de litière type chevaux où on en met beaucoup, oui, on ne souhaite pas forcément mettre du fumier au pied de l'arbre. Si c'est une paille qui est. Si c'est un fumier très très pailleux, hein, on va dire ça comme ça, là il n'y a pas de problème. Non, il faut que ça soit compacté.
Il faut que ça soit. Ça peut être des plaques de paille. Il faut que ça soit des plaques de paille qui soient dures, qui soient posées, qui ne bougent plus, puisque ça étouffe. Et la biologie et les vers de terre feront le reste. Donc le top, c'est des petits ballots de 20 kg et tu prends des piques. Le top, ça peut être ça. Il en faut. Mais en tout cas, là aussi, on le verra. Mais en tout cas, il faut que la paille soit plombée. Il faut qu'elle soit plombée parce que il faut pas que la paille soit un accélérateur de la croissance de l'herbe. Hein? Le paillage doit bloquer toute pousse d'herbe sur le pied. J'insiste très lourdement parce que de l'herbe qui pousse au pied de l'arbre, ça dégrade la capacité de ce dernier à mettre des racines correctement. Et puis, entre nous, quand vous arrachez une touffe dactyle ou de graminée ou de je ne sais quoi au pied de l'arbre, vous pouvez, déjà c'est du boulot, et puis éventuellement, en tirant un peu fort, des fois vous arrachez l'arbre au début. Hein, parce que il est des plantes qui vont pousser plus vite, il est des plantes annuelles qui vont pousser plus vite que l'arbre. Donc la rigueur à la plantation et la rigueur au paillage, elle est fondamentale. Le paillage, c'est lui qui fait aussi qu'on va pas arroser. Et oui, lui, il va garder une super structure, il va garder la fraîcheur, il va infiltrer l'eau de pluie, mais il va résister à toute l'évaporation. Donc on en met 10 cm. Ah, à l'aise. Hein, 10 cm, c'est le béaba. Hein. C'est pour ça que j'aime bien quand tu dis on peut recharger. Oui, vous. S'il y a des trous, il se peut aussi qu'il y ait des trucs qui s'appellent les sangliers qui passent des fois. Oui, parce que ça garde la fraîcheur, donc les vers, ils sont. Et là, mais voilà. Mais j'ai du pain. Ouais, après, c'est pas de ma faute si vous avez des vers dans les vides. Bon, le paillage, on rigole pas. Là, du coup, je rigole plus. On rigole pas avec le paillage. Celui qui me dit, ouais, j'ai pas le temps, je le mettrai le mois prochain. C'est tout de suite. On travaille pas ensemble. On rigole pas avec le paillage. Parce que quand vous avez sale herbe, hein, ben vous mettez un paillage, vous le mettez mal, vous faites un amplificateur et vous faites un protecteur de l'herbe. Comment ? On le met à la plantation comme ça. Hein. Il faut compter la main d'œuvre. Hein. On l'a dit, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle soit là. Il faut lui mettre un bon casse-croûte à midi. Parce que tout le monde est content de planter un arbre, mais il faut la main d'œuvre. Et par rapport à l'arbre, il faut aller à quelle distance? Un mètre, hein? On part du principe qu'un mètre carré protégé et couvert, c'est bien. Un mètre carré, on a dit 10-15 cm, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 100 et 150 litres de bois broyé, par exemple. Hein? Par arbre. Par arbre. Par arbre. C'est la condition de réussite. Hein? Ça veut dire aussi qu'on veut indexer un système racinaire profond, puisque lui, l'arbre, ce créateur de matière organique, cet altérateur de la roche-mère, ce perforateur, etc., on veut vraiment qu'il descende. Donc lui, il va descendre dans les galeries du ver de terre. Il va descendre, on va lui donner son mètre carré, et il va descendre dedans. C'est aussi pour le mettre en complémentarité avec la vigne, avec les couverts végétaux, pour que tout ça fonctionne en symbiose. On ne veut pas qu'il aille dans l'horizon et le profil utilisé directement par les racines de la vigne. On veut qu'il aille en dessous faire le job. Donc il faut qu'on lui donne ses chances. Si tu avais un peu d'herbe un peu avant de planter, là, tu sais qu'il reste un peu d'herbe à repousser. Avec le paillage, ça va l'acheter ou... Ah, s'il y a juste un peu d'herbe qui regerbe, le paillage opaque des 10 cm, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça c'est bon. Sinon, ça a beaucoup de débroussailleuse ras de terre. Ça c'est bon. Hein, c'est... Non, mais éviter de savoir s'il faut ou de... Si c'est juste un petit peu d'herbe qui repart, quand on la met vraiment... Le février, elle va repartir du coup. En plus, il n'y a pas de souci. Après le paillage, il nous faut quoi? Comment? Un carton, ça ne doit pas aider. Non, c'est vraiment pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. En plus du paillage, justement, dans ces cas où il y a de l'herbe, tu penses, comme il faut le mettre. Oui, mais un bon tampon de paille, franchement... Un carton, il y a de la paille dessus. Mettez de la paille, vous emmerdez pas avec le carton. Mais c'est pas nécessaire. Quoi d'autre? Après le paillage, protection de l'arbre aussi. La protection. Donc. Donc comme ça a été dit, je le mets aussi. C'est deux choses différentes mais complémentaires, la protection et le tuteur. Tout arbre doit être protégé. La protection, c'est filet? Ouais, c'est ça aussi, on va le voir vite. Mais c'est. J'ai du chevreuil, j'ai du sanglier, j'ai du lapin,
J'ai du lièvre. Je fais passer, ça arrive, hein, je fais passer une fois par an des moutons dans mes vignes et ça pourrait arriver de plus en plus. Hein. Donc là, c'est impensable et impossible qu'il soit touché par un animal pendant les 10 premières années. Ça peut être plus, je donne un, oui, donne un chiffre moins. C'est impensable. Il ne peut pas être touché. Je vais faire des pommes, je vais faire du bois d'œuvre, je vais faire des trognes pour faire de la biomasse, je vais faire je ne sais pas quoi, un peu tout ça. En tout état de cause, je ne peux pas me permettre d'avoir un animal qui vient. Nous sommes dans des sociétés arboricoles. On a besoin des arbres et des animaux un peu plus que nous. Donc le lièvre, il y va tout de suite, le chevreuil aussi. La vie de l'arbre, ça se passe juste sous l'écorce. Donc il n'est pas possible ni pensable qu'elle soit touchée. Mon arbre, il est là pour faire du boulot. Il est là pour protéger ma vigne, pour protéger, amortir et produire. Donc le protecteur, si c'est lui qui doit prendre ces fameux coups de vent qui sont de plus en plus perturbants, ces coups de chaud, ces coups de froid, s'il doit les amortir, on a intérêt à ce qu'il soit fort et là pour les amortir. Si c'est juste pour avoir quelques brindillettes qui se promènent et qui arrivent à peine à la hauteur des vignes parce qu'ils sont broutés en permanence par les chevreuils, par exemple, on n'y arrivera pas. Et l'idée de l'arbre qui pousse vraiment bien la première, deuxième et troisième année, après il est sauvé. Mais s'il est pénalisé au départ, il n'y arrivera pas. Et je peux vous garantir que dans notre métier de contrôle des projets et d'expertise sur des projets déjà plantés, on voit beaucoup, beaucoup de défauts sur ces critères-là. C'est pour ça qu'on les balaye et qu'on les rebalaye, parce que si vous avez un des 10 critères qui n'est pas bon, il y a tout qui s'arrête. C'est pas compliqué. Vous avez fait tout nickel, mais vous n'avez pas mis le bon arbre au bon endroit, chose qu'on voit encore souvent. Vous avez tout nickel, mais vous avez économisé 10 centimes d'euros sur la protection qui n'est pas la bonne. Et bien au premier passage des 8 chevreuils, vos 30 arbres à l'hectare, ils sont explosés et irrécupérables. Et tout ça pour ça, ça vaut pas le coup. Il peut avoir un tuteur de combien? C'est la trogne. La trogne, elle va être établie à quelle hauteur? Cher ami, elle va être établie en fonction des choix que l'on aura fait chez vous. Donc en moyenne, les tuteurs, la moyenne de moyenne, hein, parce qu'en Viti, il y a des cas particuliers, beaucoup, la moyenne, c'est que la protection, elle fait 120, 1m20, et le protecteur, il fait 150. Et le piquet doit aussi tenir les 10 années. Parce qu'un piquet qui tombe et qui entraîne avec lui l'arbre et la protection, ça ne va pas. Donc on verra tout ça dans le détail. L'idée de la protection, c'est qu'elle est climatique. Elle laisse passer l'air. Parce que vous avez des protections dont je ne peux pas donner le nom, mais qui sont des tubes. Ça, c'est interdit. C'est interdit parce que surchauffe, refuge pour tout un tas de parasites, surchauffe, donc ça veut dire que c'est des plants qui sont pas bien, qui sont mal lignifiés, et puis un tronc qui surchauffe, il brûle. Donc quand il s'en sort, l'arbre, il fait tout pour pousser, pour en sortir. Ça veut dire qu'on a des arbres qui poussent très très vite et qui du coup n'ont pas une bonne structure. Ils poussent très vite comme du fil de fer. Ah, donc on a une protection climatique, l'air passe, il est filtré, qui fait de la demi-ombre. Ça veut dire que le jeune plant, il n'est pas en plein soleil toute la journée. Il prend le temps de sortir de cette fameuse protection-là. Et puis surtout, elle a un diamètre de 20 cm en moyenne, ça veut dire qu'il peut bouger dedans. La piquet tient la protection et l'arbre pousse librement dans cette protection. C'est-à-dire que l'arbre qui bouge sait qu'il est dans une zone où il y a de l'air et du vent. Donc il va indexer en conséquence un système racinaire. S'il est trop tenu, ben, il ne va pas s'emmerder à mettre des racines. Et puis il va se lignifier aussi. Absolument. Mais l'idée qu'un arbre qui ne bouge pas, ben, il se dit, ben, je suis en forêt, je suis avec mes congénères, donc tout le monde protège tout. Non, non, là je suis hors forêt. Je suis au bord de la vigne, au bord du couloir de vent, sur l'axe principal. Donc ça, il faut qu'il l'ait en permanence dans ses gènes, si je puis dire ça comme ça. Ça, c'est très très important pour faire des systèmes racinaires qui descendent. C'est pour ça qu'on parle bien d'arbres agroforestiers, d'une génétique agroforestier. Un arbre qui a 5 générations de plein vent, de plein champ, c'est pas le même que celui qui est au cœur de la forêt. Pourtant, ils s'appellent érable champêtre tous les deux. Mais c'est pas du tout les mêmes.
en termes de développement racinaire et de développement aérien. Mais de toute façon, nous, on s'impose à protéger individuellement chaque arbre. Parce que le risque est trop important du fait qu'il n'y ait pas le courant, du fait d'un lièvre, du fait de je ne sais quoi. Donc l'idée étant de protéger chaque arbre. Parce que dans l'économie du projet, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Remplacer un arbre, c'est long, c'est coûteux, c'est difficile. Donc, et puis sur ce pas de temps, c'est préférable. Si on ne plantait que des aubépines ou des pruneliers, qui sont des arbres, comme vous le savez, avec de grandes défenses naturelles, là on plante des érables champêtres, des mûriers, des charmes, des alisiers, des cormiers, des pommiers, des poiriers, des arbres qui vont faire du bois d'or, des arbres qui sont fragiles, qui sont à protéger, qui coûtent cher, l'alisier terminal ça coûte cher, etc. etc. Puis qui oui. Les protections, alors, 10 ans, si l'arbre commence à vraiment grossir, il faut le sauter ou... Oui, la protection, on l'enlève après. Non, on l'enlève. L'idée de la protection, c'est qu'on l'enlève. Donc ça commence à s'approcher, il faut la couper. Quoi. Voilà. Et en plus, ces protections sont faites pour être en partie recyclées. C'est-à-dire qu'on peut les réutiliser. On les réagrafe et on peut les réutiliser. Hein? Ouais. On fait des protections maintenant qui sont réutilisables. Il faut évidemment l'enlever. En 9. Qu'est-ce qui nous manque pour que ça fonctionne ? Un suivi. Très important, très 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 important, à ne surtout pas négliger. Le suivi, c'est un minimum de 3 ans. C'est un minimum de 3 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aurez forcément un peu de mortalité. On ne sait pas toujours pourquoi. Vous avez forcément un piquet qui a bougé, parce que c'est le copain qui l'a planté, c'est pas vous, forcément le copain, mais bon, il a peu le temps de finir. Vous avez forcément un chevreuil qui est passé, ou un sanglier. Et puis, donc du coup, il faut remettre, bon ça tombe bien, en vigne on y est quand même souvent, donc on voit, c'est l'avantage, on voit. Mais il ne faut pas négliger cette fonction-là de suivi. Ça veut dire aussi qu'on va commencer à tailler les arbres. Pour une raison ou pour une autre, il y en a un qui va partir un peu en travers, qui va faire une fourche. Quand je plante un alisier terminal pour faire une bille de pied, il va falloir la rectifier. Donc les 3 premières années, ça nous permet de vérifier beaucoup de choses. Les arbustes de la haie, on va les tailler, on va parfois les recéper. Le recépage, ça vous parle, j'imagine. On va les reprendre à zéro pour les faire fourcher, pour les faire partir, j'ai pas le mot, mais enfin il va me revenir, pour les faire partir sur 5, 6 ou 8 brins pour vraiment avoir une forme arbustive tout de suite. Hein, si on plante un cornouiller sanguin, il va quand même avoir tendance à partir un peu vers le haut. Nous, ce qu'on veut, le cornouiller sanguin, a priori, on veut qu'il soit dans la strate basse parce qu'on a du vent en bas. Ou parce qu'on a besoin d'abriter les auxiliaires, enfin, ou souvent les deux d'ailleurs, entre parenthèses. Donc on va, dans ce suivi-là, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, l'opérateur et l'agriculteur. Qu'est-ce qui se passe, où on en est, comment ça marche. Il peut y avoir un problème sur un lot, il peut y avoir un lot de plants qui n'est pas bon. Qui a traîné, il a pas été mis en jauge dans du sable correctement. Quelqu'un a dit qu'il l'avait été, mais en réalité, il est resté une semaine au soleil. Ça arrive, ça se voit pas. Et bizarrement, les arbres ne poussent pas. Bon, ben, on les change. En tout cas, notre métier, nous, de suivi l'opérateur, nous garantissons pendant 3 ans, ça c'est ma structure, mais on garantit pendant 3 ans, beaucoup le font, on garantit pendant 3 ans les arbres. On plante cette année, vous avez 3 ans de garantie. Mais 3 ans de garantie avec une mortalité à 2 ou 3%, pas plus. S'il y a plus, c'est qu'il y a un problème majeur. S'il y a des chantiers à 15% de mortalité, c'est qu'il y a un gros souci, puisque on s'est garanti de tous ces critères-là. Donc c'est impossible qu'il y ait de la mortalité. C'est impossible que ça ne marche pas. Donc si on est à 10%, là, il faut. Parfois, on n'a pas besoin de faire une expertise d'ailleurs, mais il faut regarder de près ce qui n'a pas fonctionné. D'où l'importance du dialogue. Il y a des financements, il y a des planteurs, il y a des opérateurs. On regarde ensemble ce que l'on peut faire, dans quelles conditions, et on remplace. Bon, ben, il en manque un, c'est pas grave, on le remplace. Il en manque deux, on les remplace. On les remplace ensemble, etc. Et puis, du coup, ça permet de discuter, ça permet de voir en termes de suivi, les opérations. Le suivi, c'est les 3 premières années strictement obligatoires. Après, c'est lancé. Après, vous faites un suivi
si besoin, vous refaites des journées de formation ou des demi-journées, peu importe, pour voir comment on fait évoluer en fonction des choix. Mais c'est capital. C'est parfaitement capital. Et puis, dans le suivi, ben on regarde, évidemment qu'il y a un peu d'herbe qui va pousser sur un paillage qui a bougé. Mais si on l'enlève juste quand elle démarre, c'est tellement plus simple que quand il y a de l'herbe sur tous les pieds systématiquement. Et puis c'est déjà, il fait un peu sec, donc elle est dure à sortir, etc., etc., etc. Il nous manque une case pour arriver à 10. Entretien, taille. Alors, dans suivi, je mets entretien et taille. Financement. Éventuellement, ouais. Comment ? Il faut mieux penser loin. Ouais, mais j'ai mis 10 juste pour qu'on n'en oublie pas, mais après vous recollez les morceaux des puzzles et vous les mettez dans l'ordre qui convient. Donc il faut un financement. C'est le vôtre ou c'est un financement extérieur ? C'est sûr, puisque ça coûte. Quoi d'autre ? Avec le financement, c'est un peu lié. Non ? Jérôme ? La fantasme, aller chercher les organisations. L'organisation, prévoir ? Oui, ça on va le mettre dans le projet et on va le mettre en mixte. Je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. La main d'œuvre, la plantation, on va le mettre là. Hein, l'organisation, si vous voulez. Le rendement. Ça c'est un chapeau général, le rendement. C'est normal. La gestion, objectif de production. On va faire comme production sur notre la trogne. Les arbres fruitiers, la trogne, les objectifs. Les objectifs. Hein, de voir. Parce que. Comment on la valorise, quoi. Eh oui. Je pense que c'est dans le projet. Oui, mais. Évidemment que c'est dans le projet, mais C'est économique. C'est l'aspect économique et c'est aussi l'aspect qu'il ne faut surtout pas négliger, entre parenthèses, c'est pour ça qu'il faut faire des parallèles avec les couverts végétaux au sens large, c'est le côté évolutif. C'est le côté évolutif. Je suis parti là-dessus, mais je vois bien que c'est là-dessus qu'il faut que j'insiste lourdement. Hein. Finalement, j'ai commencé à mettre une trame d'arbres. Mais c'est peut-être pas suffisant. Hein, c'est l'idée du phasage. C'est l'idée du phasage. On commence par quelque chose. On commence par planter une ossature de base. Et puis après, éventuellement, on la fait évoluer. Il est bien évident qu'on va parler de diversification, on va parler d'optimisation, on va parler de diversité. Hein. Avant la diversification, il y a la diversité. Je parle d'une parcelle de vigne à 1 sur 1. Dans lequel je n'ai qu'une seule plante, avec un bagage génétique très faible, jusqu'à preuve du contraire, qui est source de pas mal de dysfonctionnements. Hein. J'ai une monoculture avec de la génétique et quelques cépages. Donc ça, c'est contre nature. Derrière, je fais des couverts végétaux, divers et variés, et en parallèle, je commence à structurer avec des arbres, dont des essences majoritaires, parce qu'elles ont coévolué avec la vigne, qu'elles sont compatibles, que les champs mycorhiziens vont bien ensemble, etc. Et puis ça n'empêche pas de, probablement, à moyen terme, compte tenu de l'accélération, pas forcément du changement climatique, mais des chocs climatiques, parce que ce qu'on voit, c'est l'accélération des chocs, du très froid, du très chaud, des très grands coups d'eau, des très grandes périodes de sec, etc., etc. Et comment j'optimise tout ça. Si derrière je récolte des fruits, tant mieux. Je ne crois pas
pour un viticulteur, ce soit le premier maillon de la chaîne à faire bouger pour modifier l'économie. Mais par contre, si je produis de plus en plus de biomasse, que je peux la valoriser, là derrière, il y a probablement une économie à faire. Puisqu'il y a de la biomasse qui est directement injectée dans le sol sous forme de système racinaire, et puis celle qu'on peut valoriser par la taille et la gestion des arbres que l'on va planter et de ceux qui sont déjà pas loin. Le côté évolutif en agroforesterie, il est extrêmement important. Il n'y a rien qui est figé parce que, a priori, les erreurs, elles sont déjà un peu derrière nous. Il n'empêche qu'il faut garder prudence et dans ces notions d'humanité, d'humus et d'humilité, il faut en avoir encore un petit peu. Ça veut dire que peut-être que si j'en ai mis un peu trop, il va falloir que je les enlève. Mais ça fait partie du geste. J'ai mis deux arbres qui vont pas bien, qui poussent trop vite et qui posent des problèmes avérés. C'est ça. Oui. Nous, agroforestiers, on s'autorise à tout faire. On n'est pas des contemplateurs de la nature, même si on l'aime beaucoup. Hein. Mais l'idée, c'est qu'on met la bonne dose de couvert, la bonne dose de gestion, la bonne dose de... Bon, maintenant, je sais que vous allez faire des vignes à 2 mètres et plus hautes, donc il y aura beaucoup moins de problèmes. Mais c'est acté, hein, c'est ça. Dans la volonté d'agir. Dans la volonté d'agir. On va sortir de l'hérésie de la surdensité de la vigne basse qui cause tellement de problèmes. Mais on s'autorise aussi, c'était une blague, hein. Chez nous ça s'appelle une boutade, mais je vois que ça fait rire personne, ouais. J'aurais essayé. En tout état de cause, je reviens à mon métier, hein, je ne sors pas de mon cadre. Dans mon métier, je dis bien qu'on va trouver les ajustements nécessaires et suffisants pour que le sol ait sa ration quotidienne de matière fraîche, pour que le sol ait son expression équivalente au bois qui est juste à côté, puisque le bois qui est juste à côté et qui est souvent plus haut, il continue de pousser l'été quand ça bloque chez nous. C'est un peu ça le souci. Hein. J'ai des plantes basses avec une production de matière sèche par hectare et par an qui est 3 fois supérieure à côté, et chez moi ça bloque. Donc je trouve le juste milieu avec ça, mais je dis aussi en tant qu'agroforestier que quand il y en a trop, ou quand je me suis trompé, ben, je rectifie le tir. Hein, c'est d'où l'importance des règles qu'on est en train de faire évoluer. On plante avec des densités données, avec des modes de gestion donnés, mais il faut que tout ça soit... Et puis un arbre qui est un arbre de premier ordre, prenons un exemple qui n'est pas au hasard, le peuplier, qui est une plante pionnière. Donc qui dit plante pionnière, dit plante intéressante pour restructurer les sols. Mais si je plante quelques peupliers, peut-être qu'au bout de 20 ans, ils vont devenir gênants, même en les taillant beaucoup. Je pense qu'on les maîtrise avec les trois. On les maîtrise bien, mais après, dans l'absolu, quand ils auront fait leur boulot pendant 20 ans, il faut s'autoriser à se dire, ceux-là, il faut les enlever parce qu'ils deviennent un problème. Ou on a réussi vraiment à les bonsaïser, auquel cas on les laisse. Hein. Ça devient un problème, parce que le peuplier, à force de le tailler, cicatrise mal, il fait des plaies, il va être plein de verre, il va être plein de... Alors oui, il y aura une vie dedans, mais en général, ça ne fait pas pire. Le peuplier, les sols, plus ou moins blancs. Faites attention à ce que vous dites, monsieur, parce que je peux vous montrer des peupliers qui ont 200 ans, taillés tous les 2 ans. Ils ne sont pas crus à l'intérieur? Ah, ils sont en pleine forme. Hein, d'où l'importance, et on va y aller. Ils sont 200 ans, j'ai un tronc qui fait... On est bien d'accord. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on ne va pas arriver jusque-là. Voilà, on va mettre tout sur la table, toutes les essences, leur développement, leur gestion. Pourquoi on va faire en sorte qu'en les taillant, en les utilisant correctement, elles ne soient pas malades? Parce qu'il y a quelque chose qui est important, malgré tout, par rapport à ce que vous dites, c'est que dans notre offre, on a beaucoup parlé d'arbres têtards. Comme ça, en parlant d'arbres têtards, c'est clair pour tout le monde l'arbre têtard, Patroy? C'est un tout petit rappel. Non? Oui. Ah ouais, fait. Alors du coup, je fais le petit rappel. Oui, d'ailleurs, à propos de petit rappel, peut-être pour les anciens ou les nouveaux, pourquoi ça marche l'agroforesterie en viticulture? Posons une question essentielle, pourquoi ça marche? Parce qu'on régule. Parce qu'on régule, merci. Ça marche parce qu'on régule, parce qu'on taille et qu'on gère et qu'on pilote. En agroforesterie viticole, on gère les systèmes aériens et on gère tout le temps les systèmes racinaires. Et on met tout ça en cohabitation
et en symbiose. Sinon, ça ne marche pas. Et tous les systèmes agroforestiers de par le monde qui fonctionnent sont régulés. Donc, les formes premières, elles sont simples. Les formes premières en agroforesterie viticole, c'est ça, évidemment. C'est l'arbre têtard, le voilà, étêté, taillé, géré, complètement piloté et contrôlé. Je taille tous les ans, j'en mets beaucoup et je taille tous les ans. La forme que vous avez en tête, c'est celle du saulosier, forcément, hein, la flamme du saulosier l'hiver, le lien ancestral. Je taille tous les 10 ans, j'en mets pas beaucoup et j'ai besoin j'ai besoin d'ombre parce que j'ai du degré qui monte, enfin, etc., etc. J'ai une super exposition et ça tape trop fort. Hein. D'où l'importance de la gestion fine dans chacune des parcelles. Impensable de faire un projet en salle. L'arbre têtard, je fais en sorte... C'est dommage que Noël soit passé, sinon j'aurais commandé des marqueurs. Je vais me mettre politiquement correct, je vais dessiner en vert. Donc, je fais en sorte que le système racinaire de cet arbre-là soit vertical et profond. Dans le sol, de part et d'autre. Éventuellement. Mais je préfère avant le sous-solage, que ici, j'ai un peu de paillage. Ici, à côté, j'ai des couverts végétaux très dynamiques. Et puis ici, j'ai un pied de vigne. Et c'est bien la puissance absolue et la quantité de biomasse et la pousse de ce couvert végétal qui va faire plonger mon système racinaire. On les met en concurrence volontaire. Et je rappelle pour mémoire que cette agriculture et cette viticulture optimisée, elle va faire de la photosynthèse quand la vigne ne pousse pas. Hein, on va inverser les cycles. On va faire la plante la plus grande possible dans un laps de temps le plus court possible avant le débourrage pour avoir cette matière première, matière fraîche, au sol, couchée, roulée, tondue. Ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Mais cette plante poussante ici, va, quand l'arbre va débourrer, la plante va arriver à épiaison, pour parler en générique, la plante va arriver à épiaison quand l'arbre va commencer à débourrer. Donc l'arbre n'a pas possibilité de rentrer dans le profil utilisé par le couvert. Ça, c'est extrêmement important. C'est bien pour ça qu'on parle en agroforesterie de pilotage absolu. Chacune des plantes que je mets en scène et que je mets en œuvre, y compris les arbres, sont pilotées, gérées, connues, comprises. Donc le système racinaire de l'arbre, il va passer en dessous. Ça tombe bien. C'est ici que j'ai des éléments nutritifs. C'est ici que j'ai de l'eau. Et c'est ici que j'ai une zone d'exploration incroyable. Ce qui m'intéresse, c'est d'augmenter en 3D ma zone d'exploration pour la vigne, pour le couvert et pour l'arbre, et de faire en sorte que tout ça, ça cohabite parce que ça se met en symbiose par les ponts, les champs mycorhiziens comme dans la forêt. Et puis cerise sur le gâteau, parce que c'est le cas, et ça c'est très très intéressant par rapport à la question du sous-solage, cerise sur le gâteau, quand je taille ici mon arbre têtard, c'est une taille qui est simple, donc tout le monde peut la faire. Très important, Viti. Sinon, tu tailles là, tel bourgeon, dans tel truc. Déjà que certains ont du mal à tailler la vigne, parfois, pas ici en Champagne, mais dans certaines zones, on voit des aberrations sur la taille de la vigne. Mais enfin, vous verrez ça avec notre ami Marceau Gourdarias, n'est-ce pas, hein. Déjà que sur la taille de la vigne, il y aurait beaucoup à dire, mais sur la circulation des flux de sève, etc., et leur gestion, hein, et les portes d'entrée vers l'ESCA et tout ce que vous connaissez. En tout état de cause, quand je taille ma trogne, je réitère mon système racinaire. Donc une racine un peu trop remontante ou un peu trop imposante, je suis sûr de la réitérer en taillant l'arbre. Donc je remets l'arbre à sa juste place, y compris dans son système racinaire. Voilà pourquoi et comment ça marche. Deuxième forme générique sur les arbres, c'est ça. Ce
Ça s'appelle un cormier, un alisier terminal, un merisier. C'est un arbre fruitier. C'est un arbre fruitier pour lequel j'ai ici... Je mets 5 mètres, par exemple, un arbre grand qui va sortir, mais qui va permettre, évidemment, puisque, jusqu'à preuve du contraire, ici, du coup, en rouge, c'est la vigne, mais peu importe, ici, j'ai de la lumière qui rentre dans tous les sens, parce que j'ai élaboré et taillé mon arbre, qui, plus est, a un feuillage relativement fluide. Et c'est un arbre, prenons l'exemple de l'alisier terminal, c'est un arbre que je vais laisser jusqu'au temps de sa récolte. Je ne fais pas l'agroforesterie, ce n'est pas des chênes centenaires sur lesquelles je vais essayer de faire pousser de la vigne, parce que jusqu'à preuve du contraire, et vous êtes bien placé pour le savoir, ça ne marche pas. Un, ce n'est pas compatible, deux, ça ne peut pas marcher. Donc, si je dois avoir un chêne centenaire au coin de la propriété, tant mieux. Mais ça, ce n'est pas l'agroforesterie. Qui plus est, pas taillé. Et ça marche avec l'agriculture ou autre chose ? Ce que je vous dis là, ça marche partout. Mais le problème de la vigne, c'est que la vigne et le chêne ne sont pas compatibles. Absolument. Mais c'est surtout la compatibilité qui n'est pas terrible. Il faut mettre des plantes compagnes pour les reconnecter, ces deux-là. Donc, ce que je vous montre ici, encore et toujours, c'est qu'ici, j'ai bien élaboré une bille de pied. Donc, j'ai bien taillé l'arbre pour que cette bille ait de la valeur. Et j'ai taillé l'arbre pour faire rentrer de l'air et de la lumière. Troisième forme générique, c'est celle-ci. Je la dessine pas très bien, volontairement, pour laisser libre part à votre imagination. C'est l'arbre fruitier. Je mets des fruitiers, pour des raisons diverses et variées, éventuellement faire un peu de fruits, aussi parce que ce sont des rosacées, et que les rosacées dans les vignes, c'est très très bien. Mais ces arbres-là sont taillés, gérés. Éventuellement, je peux m'autoriser à les conduire en espalier. Je reprends de la linéarité, donc peu d'espace, et je continue à passer librement et à utiliser les machines habituelles. Et puis, une autre forme qui est tout près d'ici, qu'on a bien envisagé, qu'on a déjà bien traité, est une forme complémentaire, c'est celle-ci. Je la dessine au carré, elle est mal dessinée, mais c'est pas grave. C'est une forme nanifiée sur le rang. Donc c'est une mini-trogne. C'est une mini-trogne. J'ai un pied qui manque, j'ai besoin de faire des ponts mycorhiziens avec les arbres pour qu'ils communiquent entre eux. Je n'ai pas besoin d'un grand développement. Je veux continuer à mécaniser. Je passe au-dessus avec mon enjambeur. Je veux pouvoir rogner cet arbre-là parce que je veux que ce soit simple. Et tant mieux. Vous avez à l'entrée ici une haie de charme qu'on va aller voir de près. C'est des mini-trognes taillées au carré. Je rappelle pour mémoire que le charme, c'est une plante qui est programmée pour faire 30 ou 40 mètres de haut. La charmille, c'est du charme. Ce n'est pas une plante spécifique. Mais à partir du moment où on a donné à la plante les indications nécessaires et suffisantes pour le dire, on va te contenir dans cet espace-là, mais cet espace-là, même s'il est faible, il est facile à gérer et il permet d'abriter des auxiliaires, il permet la diversité dont on a cruellement besoin en Viti, de mettre d'autres plantes, puisque la définition d'un sol, c'est d'appeler 5 plantes différentes en même temps. Un sol, pour qu'il vive, il lui faut 5 plantes différentes. Alors, elles sont toutes au même endroit ou pas, mais il lui faut cette diversité de plantes, des plantes poussantes et des plantes avec de la lignine. On le voit parfois, laisser des vignes sans les travailler pendant 3 ans, il y pousse des ronces, puis des arbres. L'appel du sol, c'est ça. La dynamique de reprise des sols, c'est de faire pousser des plantes plus grandes que celles qui y sont déjà. Et de couvrir. Et ça nous donne de très très bonnes indications. Voilà. Je le répète, mais vous le savez, le terme générique de toutes ces formes-là, c'est bien une gestion fine et un pilotage des racines et des houppiers. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de circulation d'air, j'ai besoin de mécanisation. Je vais passer de moins en moins dans ces dispositifs viticoles de sol vivant.
probablement, je vais réduire les intrants, je vais passer. Mais enfin, dans cette période dite de transition, je m'adapte. Après, je fais des choix. J'enlève un rang, je plante sur le rang que je traiterai, je récolterai à la main. Ça, c'est le choix de chacun. Jusqu'où je suis capable de bouger les curseurs, de quoi j'ai besoin et comment j'avance. C'est vos itinéraires. C'est pour ça qu'on les pose. On pose les formes génériques, les principes absolus, et après chacun, et certains d'entre vous ont déjà franchi le cap, hein, mais chacun combine et compose en fonction de son itinéraire. C'est vous qui inventez le système agroforestier qui vous convient le mieux. Qui s'adapte, qui est transposable, applicable et qui vous correspond. Moi, j'ai envie de ça. Sur des parcelles, on peut travailler sur plusieurs modèles différents. Complètement. Et on peut même, non seulement on peut travailler sur des modèles différents, mais au sein même de la même parcelle, on peut avoir ces différentes combinaisons-là. C'est pour ça que le champ agroforestier qui s'ouvre à nous, en viticulture, il est énormissime. Parce que là, vous combinez des choses invraisemblables. Et vous régulez à la parcelle, parce que jusqu'à preuve du contraire, chacune des parcelles dans lesquelles on va être amené à faire des choses, c'est qu'il y a des ajustements à faire. Sur cette question des auxiliaires. Oui, alors ce que j'ai oublié de dire par rapport à la question, qui est une question très importante, hein, parce qu'on parlait de pourriture, d'arbres blessés, etc. L'arbre têtard taillé dans de bonnes conditions, au bon moment, par les bonnes personnes, il devient très vieux, il vit très bien et il n'est pas malade. Par contre, on assume pleinement ça, ici, là. La tête et la cavité, de créer des cavités, au même titre que quand on restaurera des très vieux arbres, parce que les très vieux arbres ont imprimé dans leur mémoire une génétique incroyable, une biodiversité tout aussi incroyable. Donc un très vieil arbre a des gènes dont on aura probablement besoin plus tard, déjà aujourd'hui. Ces gènes et ces flux circulent, hein, la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, il faut la connecter, la faire circuler. Donc ça, c'est très important. Et puis nous-mêmes, de recréer des arbres qui deviendront vieux, peu encombrant, bon producteur d'un truc ici qui est génial, qui s'appelle le BRF, le bois raméal fragmenté. Très très bon activateur et améliorateur de la fertilité des sols, parce qu'il y a des sols qu'on a besoin de relancer. Et le bois frais broyé, ben, on n'a rien trouvé de mieux, et de loin. Pas dans n'importe comment, ni à n'importe quelle condition. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. On peut parler de blocage de sol, de fin d'azote, de cache-misère. On ne va pas mettre du BRF sur un sol qui est complètement pourri, hydromort, sur lequel on a des problèmes avérés. On va mettre du BRF dans un itinéraire technique et agronomique bien précis à un moment particulier, parce qu'il va activer les particules dont on connaît les résultats. En tout cas, lui, il va en produire dans l'injection de 40% de sa masse racinaire par an, ce qui est énorme ici. Et dans la récupération et le recyclage de ces rémanents. Puisque la branche fine, il ne faut pas la brûler, parce qu'elle est très riche en nutriments. C'est pour ça qu'on a mis la norme de 7 cm à peu près. Au-dessus, c'est de l'énergie, ou de la construction, hein, ou toute autre chose. En dessous, c'est de la fertilité, y compris, entre parenthèses, quand on a de l'élevage, quand ça passe par le paillage. Le bois broyé, il va au paillage, et puis il retourne au champ. En tout cas, il est bien dans la boucle de la fertilité. Et donc, la tête, la cavité qui se creuse est très riche en biodiversité. C'est là qu'on va trouver des régulateurs. Et citons, par exemple, un auxiliaire extrêmement important en viti qui s'appelle la chauve-souris. Et c'est bien d'avoir des lignes de guidage, parce que ça travaille des appareils très sophistiqués, hein, les chauves-souris. Hein, c'est mieux que les iPhones de dernière génération, vous avez bien remarqué. Puis ça ne se casse pas quand on le laisse tomber. Des appareils de guidage très très sophistiqués, il faut des points de repère, des lignes directrices, et donc c'est des bestioles qui, hébergées in situ, c'est-à-dire au cœur de la ville, peuvent être dans le bois, dans les vieilles cavités, passer au cœur de la ville, point relais, avec les lignes de circulation. Voilà. Et c'est la combinaison de l'économie de l'agroforesterie, c'est bien ça. Je fais avant tout de l'agronomie. Je travaille sur ces facteurs croisés que sont le sol, l'eau, la biodiversité, le paysage, la productivité. Et puis je regarde tout ça. Et puis j'oublie pas de dire que dans ces temps qui changent vite et bien,
Enfin, bien, je ne sais pas, mais qui change vite, parce que ça change vite. Pas forcément. Bien, je ne sais pas, absolument. Mais a priori, il y a une belle histoire agronomique, climatique, technique, sociologique à raconter. Gustatif. Et éventuellement, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Si on veut exprimer un terroir, le terroir, c'est ça. C'est pas juste les 3 cm d'engrais, de quelque nature que ce soit, que je mets. Si j'exprime les 3 cm d'une poudre de perlimpinpin, d'un engrais, d'un terreau, d'un compost, ou d'une bille d'azote, c'est pas tout à fait pareil. J'exprime une remontée racinaire ici d'un produit que j'ai mis. Je ne suis pas en train de cracher dessus, je dis juste que ce n'est pas pareil. Quand j'ai une exploration qui ici est à minima de 2 mètres, pardon, en moyenne, plus cette voie qui s'offre à nous, qui multiplie par 2, par 3, par 5, par les ponts mycorhiziens qui vont chercher dans les interstices impénétrables par les racines de qui que ce soit, ces éléments nutritifs, ce carbone, ces informations et cette eau dont on a probablement cruellement besoin dans les années qui viennent pour amortir les chocs des mois sans eau. Si j'ai une exploration racinaire par les mycorhizes qui est multipliée par 5, mais j'ai une plante qui résiste 5 fois mieux à la sécheresse. En Champagne, le CIVC dit qu'en moyenne, les racines vont que dans 60 cm. Oui. La réserve hydrique n'est qu'en 60 cm. Ce qui est, par endroit, c'est que 30 cm. Ce qui est évidemment pas normal. De toute façon, on est tous d'accord là-dessus. Il suffit d'arracher une fois de la vigne dans sa vie pour voir ô combien on peut améliorer la qualité, la quantité du chevelu racinaire et notamment du chevelu fin annuel, celui qui fait le boulot et la connexion mycorhizienne. Ces plantes-là ont besoin de ces connexions et de ces combinaisons mycorhiziennes. De nommer du carbone au sol, de protéger et d'éviter que le rayonnement solaire le touche et d'éviter de mettre des outils sur les 3 premiers centimètres régulièrement, ça permet d'avancer là-dessus. Sujet ô combien pas simple, n'est-ce pas? Et oui, parce qu'il ne faut pas toucher le sol sur les 3 premiers centimètres et c'est malheureusement souvent là qu'on a besoin d'azur pour réguler une plante. Donc, cette agriculture de lutte contre les plantes, il faut rentrer dans une agriculture de faire avec les plantes et donner cette ration pour éviter que les plantes indésirables soient toujours là que les plantes indésirables soient omniprésentes et difficiles à gérer. Voilà. On met du compost dans les trous de... Jamais. Non. C'est interdit. Toujours ensemble. C'est juste une question. Je sais que tu connais la réponse, mais... On ne met jamais de compost, on ne met jamais de matière organique, on ne met jamais de fausses indications à l'arbre. On nourrit jamais un arbre. Un arbre, c'est un producteur. Un arbre va créer le sol et améliorer le sol sur lequel on le met. Donc si on lui donne une mauvaise information, il va se régaler, il va l'adorer. Mais surtout pas. Il faut que l'arbre comprenne qu'il est ici pour faire le job. Il est ici pour finir de décompacter, finir de remettre de l'ordre, finir de continuer à créer ce fameux complexe argilo-humique. Donc on ne le nourrit pas, on lui donne juste ce dont il a besoin, le fameux paillage. Mais comme l'arbre tombe dans le bois, dans la forêt, sur l'humus forestier, ce qu'on fait avec de la paille, ce qu'on fait avec du bois broyé ou équivalent, c'est juste la même chose. Je suis un arbre, normalement et génétiquement, je tombe sur un humus forestier. En plantation, on fait ça. Et la matière organique n'a rien à faire à fond des trous, ça n'existe pas. La matière organique, fraîche, j'insiste lourdement sur la matière organique fraîche, doit rester en surface du sol. Il faut que, si on lui donne, pour les choses soient simples, et on le voit souvent, y compris dans certains manuels sérieux, vous faites une fosse d'un mètre cube, vous plantez votre jeune plant là, et vous mettez à manger ici. Ben l'arbre, il ne va jamais sortir de là, pendant les 3-4 premières années, puis quand il va sortir, ben, il va avoir, ça va lui faire très drôle. Donc non, nous ce qu'on veut c'est qu'il n'ait pas à manger ici, ce qu'on veut c'est qu'il perfore et qu'il descende tout le temps. Il y avait une remarque au fond de la salle. Comment on doit gérer les espèces, la cohabitation, à partir du moment où on va avoir des arbres, oui. On va avoir de l'églantier qui va arriver avec les oiseaux, on va avoir de l'aubépine, du lierre qui va pousser. Est-ce qu'il y a des cohabitations qu'on peut laisser ou maîtriser à certains temps?
Est-ce qu'on ne doit pas laisser les cohabitations s'installer? Il y a des cohabitations qui seront positives, d'autres qui le seront moins. Si je prends l'exemple du lierre, il est... Ça vient vite, le lierre. Alors, le lierre, ça vient vite, et tant mieux. Parce que dans les vignes, vous aurez du lierre, vous aurez de moins en moins de problèmes. La question, toujours pareil, c'est de voir jusqu'où on va laisser pousser le lierre. D'accord, donc on peut l'entretenir. Le lierre, il faut l'entretenir. Si il devient dangereux pour l'arbre, on peut le... Absolument. Couper, il va repousser de toute façon. Exactement. Après, un lierre n'est jamais dangereux pour un arbre. Le seul lierre qui fasse mourir les arbres, c'est les arbres qui ont prévu de mourir avant que le lierre le fasse. Mais le lierre, c'est une plante extrêmement importante en Viti, extrêmement importante, dont on sous-estime la puissance pour les pollinisateurs, dont on a besoin, pour certains régulateurs, pour les oiseaux. Parce que quand on a des oiseaux en vigne, vous savez tout ce que ça enlève et que ça épure, au-delà du champ d'oiseaux, qui est extrêmement bénéfique à la vigne et dans la réduction de l'escar. Enfin, l'escar, on contrôle aussi par d'autres systèmes de champignons. Et le lierre est une feuille qui se dégrade et qui tombe au tiers à peu près au mois de mars. Et c'est un humus de premier ordre et de première qualité pour faire repartir les plantes. Je ne suis pas en train de dire qu'on va mettre du lierre partout, mais dans l'exemple, parce que c'est difficile... Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est difficile de reprendre tous les paramètres. Mais le lierre, par exemple, pour la chauve-souris, très très précieux. Donc, on est bien dans une logique. On va passer d'une culture unique de vigne à une culture de 6, 7, 8 plantes qu'on va gérer, entretenir. Et le lierre fait partie intégrale de cette boucle-là. Je rappelle aussi que c'est une feuille persistante. C'est une feuille persistante. Et dans cette feuille persistante-là, il y a de la nourriture et il y a de quoi se cacher. Pour les auxiliaires. Absolument. Donc, et je pense qu'il vaut mieux passer du temps des fois à couper un peu le lierre qu'à enlever des plantes indésirables en termes de temps dans la vigne. Mettez-le dans la boucle et que le lierre monte sur les arbres plantés, c'est pas un problème. Le jour où il sera vraiment envahissant, ce qui reste à prouver, en 5 minutes on le régule. Mais sa fleur, sa feuille, sa baie et toute sa dynamique, rappelons que le lierre n'est pas un parasite des plantes. Le lierre n'a que des crampons. Il a des racines au sol. Le crampon devient une racine quand il touche le sol, et uniquement le sol. Alors, le lierre dans les vieux murs, ce n'est pas sa place, surtout les murs en terre, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, plante effectivement très très intéressante. Quant à la question des plantes envahissantes, à partir du moment, et j'insiste lourdement, à partir du moment, quand les viticulteurs m'appellent en disant « Alain, j'ai un problème, j'ai des frênes qui poussent partout dans mes vignes », je dis « C'est normal ». C'est que vos sols ont soif de plantes géantes et ont soif de carbone. Mais t'es fou. J'ai dit, mais on va aller voir. Mais j'ai des frênes qui poussent partout. J'ai dit, mais parce que tes sols, ils sont affamés. Si ta vigne exprime du frêne, c'est parce que ton sol est affamé. Il te crie famine. Il a un problème majeur. Et oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puisque toute plante est bio-indicatrice. Donc, les vignes dans lesquelles ils poussent de tout dans tous les sens, c'est des sols qui n'ont pas leur ration de carbone annuel. Quand vous allez donner des indications en plantant quelques arbres autour et au milieu, soyons fous, quand vous allez donner des indications en plantant des plantes grandes, géantes, que vous allez coucher et rouler pour faire cette paillage, vos sols auront beaucoup moins soif. Et dans ces cas-là, les plantes de réparation de premier rang, que sont les plantes que vous avez citées, disparaîtront naturellement. Parce que vous aurez la thermodynamique des équilibres de l'écosystème du sol qui a besoin de ces 6, 7, 8 plantes, dont les plantes grandes. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez vite arriver. Mais là, pour l'instant, effectivement, on voit beaucoup d'endroits où cette ration n'est pas satisfaite. Une ration qui n'est pas satisfaite, le sol exprime ce besoin. D'où l'importance de cette agriculture agroécologique qui n'est pas punitive, qui est très constructive et qui est très productive. Parce qu'on va optimiser toutes ces ressources, y compris les 80% de la colonne d'azote qui passe au-dessus de nous en permanence et qu'on a parfois un peu de mal à saisir et à capter. Ouais.
Tout le monde est là? Je voulais qu'on vienne ici parce que on va pas les tailler entièrement. Ces petites trognes de frêne là, elles sont fort sympathiques. Alors, je sais pas, Benoît est là, ouais. Elles sont taillées tous les à peu près 3 ans. 3 ans. Là, il y a du joli bois là déjà. Hein. Là, il y a du joli bois, ouais. Ouais, il y a 2 ans, je crois, tous les 2-3 ans à peu près. Ouais. D'accord. Mais ça hein. Ah oui, là, il y a des belles pièces. Hein. Donc, je voulais juste qu'on vienne là bon, pour tailler un petit peu, pour les rééquilibrer. Mais aussi et surtout parce que ici vous avez une forme intéressante, le frêne. Alors là, évidemment, il est sur 5 pieds mer. Mais le frêne, qui est un arbre gigantesque, qui plus est les pieds dans l'eau, vous voyez ici la régulation récurrente et permanente de la bête. Il a un âge certain, il est nanifié, il est en place, stabilisé. Et puis si on regarde bien, il n'est pas malade, il n'est pas stressé, bien qu'il y ait eu de grosses coupes. Hein. Mais vous voyez, là les bourgeons latents sont sortis, il est en train de recouvrir, de fermer. Il est très poussant, très dynamique. Et là aussi, comme la vigne, mais l'arbre qui est très poussant et très dynamique, il n'est jamais malade. Hein. Il va prendre le dessus tout le temps, il va recouvrir, il va fermer, il va compenser. Puis ici, vous avez le brun, hein. la matière première de la fertilité du sol. Hein. La forêt, elle produit ça, de la racine, de la branche et de la feuille. Et la forêt, l'arbre qui pousse, les arbres se touchent tous, donc l'arbre perd de la branche en permanence, et c'est ça qui fait la matière première de la fertilité. Ce qui est intéressant, ce qu'on a démontré, notamment dans les pays d'élevage, c'est que les arbres, ils produisent malgré tout de plus en plus de bois. Donc, je disais que le modèle est productif, y compris en termes de biomasse. Il va en produire de plus en plus. On va garder la biologie, on va garder la stabilité, on va garder l'altérateur de la roche-mère, parce que si vous coupez l'arbre au pied, vous repartez à zéro. Avec l'arbre têtard, pas de problème de concurrence, pas de problème d'ombre, pas de problème de système racinaire. Et puis vous le coupez, et 3 ans après, vous avez un brin comme ça. Ici, là, vous avez 3 kg de matière sèche sur le brin. Gratuitement, puisque l'arbre fait tout avec rien. Et ça, c'est facile à mettre, à mécaniser pour le récolter, pour le broyer, pour l'épandre. Ça peut même être entre nous épandu en direct dans la parcelle, s'il y en a besoin. Le tronc est stabilisé, ça veut dire qu'il ne développe pas de la branche partout. Les réserves sont dans la tête, donc l'arbre, il développe des bourgeons sur sa tête. Donc ça s'appelle des réitérations. Ça, c'est un nouvel arbre. Si je l'isole, ça, c'est un arbre. Un arbre réitéré, il va créer un canal qu'on ne voit pas parce qu'il est très dynamique. Il va créer un canal nouveau et c'est lui qui va réitérer complètement le système racinaire de l'arbre. Donc ici, j'ai un arbre qui est toujours jeune, qui est toujours poussant, qui est toujours dynamique. Sur un tronc stabilisé, ça veut dire que ce tronc-là ne va pas développer de branches latérales qui, il n'y a pas d'autre mot, vous emmerderait dans la vigne pour passer. Alors ici, elles sont vieilles, elles sont serrées, mais vous voyez, sur cette trogne-là, j'ai enlevé les 3-4 petits brins. Sur cette trogne-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 points de coupe. C'est simple et rapide. Toujours au même endroit. Je n'ai pas de la brindille que je dois couper ici, un peu là, un petit peu ici, un petit peu dans cette direction. Je fais de la trogne basse à 50 cm. Je la fais à 2 mètres, peu importe. Tu passes avec une plateforme, avec un outil. Je taille toujours au même endroit, 7, 8 ou 10 points, ce qui n'est pas grand-chose. Et puis vous l'avez ici, sur celle-ci, ici vous l'avez la cavité. Donc ça, eh oui, là la mésange, elle va adorer. Hein, la grande régulatrice des chenilles et des vers, elle va habiter au milieu de la vigne. Elle va aller sous les mousses, elle va aller sous les lichens, et puis ici, il y a juste le diamètre pour ne pas être emmerdé. Puis quand la trogne aura un peu poussé, ça sera une autre, et puis une autre, jusqu'à la chouette. On parlait de la régulation des rongeurs avec les buses, la chouette qui va, elle, être en bordure dans la lisière. Personne ne nous interdit, au contraire, quand il y a des lisières, quand il y a une interface, une lisière sur la vigne, elle fait de la concurrence, mais une lisière gérée sur la vigne avec des arbres têtards, elle amène elle aussi sa quantité de biodiversité. Vous avez des vieux charmes, eh bien on va les retailler et elle amènera ce qu'on n'aura pas tout de suite au cœur de la vigne parce qu'on va planter des arbres maintenant, on peut les avoir sur le pourtour. Voilà. Raconte-nous l'histoire, Benoît, là.
ça a au moins 70-80 ans, je pense. D'accord. Donc du coup, c'est ce qui sert à délimiter la propriété. Et puis, bah, naturellement, c'est joli, donc on la taille. Et avant, elle était beaucoup plus grosse, beaucoup plus haute. Ouais. Et c'est vrai qu'on était obligé de prendre une remorque agricole. Enfin, c'était un peu le bazar. Ouais. Du coup, on a décidé de la réduire un bon coup pour que ce soit beaucoup plus facile de le faire à la main. Voilà, donc c'est tout simplement une haie limitrophe, quoi. C'est intéressant et c'est très inspirant parce qu'on a vu au bord de la mare du frêne, on a vu du saule, on a vu du noisetier en trogne. Hein, donc le geste paysan séculaire, ben on le remet, comme tu le reprécisais bien, hein, ces arbres ils tiennent la berge aussi, hein, ils font de l'ombre. C'était le rôle premier, on les a régulés parce que sinon ils deviennent trop imposants, ils nous posent des problèmes. Et ici, ben, on a la démonstration parfaite, hein, de la mini-trogne qu'on va retrouver en vigne. Ben, le charme, il devrait faire 35 mètres de haut depuis le temps, et finalement, il ne fait toujours qu'un mètre 85, et il est concentré ici, condensé, on voit bien, la tête de la trogne, elle est là. L'arbre, il a fait ses réserves, il a compris, il remet les branches, il repart. Vous le taillez tous les ans? Probablement, hein. De juillet, tout, ouais. Hein, taille, avec une feuille marcescente, d'ailleurs. Et puis, on a encore une trogne ici, avec le tilleul, vous voyez, hein, tous ces gestes-là de la régulation permanente des arbres, finalement, on cohabite avec, ici, le tilleul, qui le supporte très bien, très joli, très dynamique, très poussant. Pareil, pour éviter qu'il soit trop grand, trop haut. Et puis éventuellement éviter, ici on n'a pas de problème de concurrence avec autre chose, mais éviter que ces arbres champêtres et ces arbres de plein vent, ils ne s'arrêtent jamais de pousser. Alors certains, on va les laisser, on ne va pas tous les trogner, loin de là, mais ici, bah, du coup, ils deviennent beaucoup plus résistants au vent, par exemple. Voilà. Alors, à la limite de ça, bon, là, on n'est pas en vigne, mais c'est que... À tailler, c'est un exercice de style, quoi. Ah, mais là, on est dans de l'ornement. Mais donc, on est dans de l'ornement, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir très peu d'espace au sol et une masse au-dessus. Hein, l'idée d'optimiser la lumière et les ressources, c'est de les prendre en hauteur et parfois au-dessus de la vigne, hein, pour réguler le temps. Donc là, à nouveau un saule. Là, il est très bien et très joliment parti sur un brin. Vous voyez clairement que cette plante-là, qui pousse très vite, elle ne va pas résister au vent pendant longtemps. Ces arbres, les saules sont très cassants. Hein, et si les paysans les ont taillés en trogne, c'était pour se faire du bois, on faisait de la litière, on faisait beaucoup de choses, mais aussi éviter qu'ils deviennent gênants et qu'ils tombent. Hein, de le réguler, de le tailler, c'est aussi faire en sorte qu'ils restent toujours en place. Donc le modèle est très simple. Là, il est un tout petit peu trop âgé, mais ça va encore. Je vais essayer de voir si j'ai un point de stabilité. Terminé. Vous voyez, une trogne, c'est facile à tailler, c'est facile à faire. Si tu aurais fait 10 cm de plus, elle serait à 10 cm de plus. Oui, exactement. Hein, c'est exactement ça. Mais là, je me suis dit qu'il y a un talus, on peut venir ici, elle est facile d'accès, facile à tailler, il y a quand même un peu d'eau en bas, donc accessible. Bonne taille, vous voyez, j'ai enlevé tous les brins. Propre et net, et là on va la voir au printemps exploser. Alors évidemment il y aura quelques brins puisqu'il y a de la lumière. La lumière va arriver sur le tronc, donc il y aura quelques brins qui vont repousser de part et d'autre. En fin de première année on les nettoie. Ici il y a 8 brins sur la tête, et puis après c'est fini, on retaillera toujours là, la tête va se créer, se creuser. Terminé. Quand je vous dis que le sol se nourrit de branches, hein, ça, il va le recycler vite et bien.
de feuilles. Les vers de terre là sont en action, enfin pas aujourd'hui parce qu'ils ont un peu froid. Mais voilà typiquement un arbre joliment couvert de lierre dans la lumière du matin, le froid, on pourrait écrire une poésie. Hein, le frêne, le lierre et la champagne, on pourrait faire un poème magnifique. En tout état de cause, ce que vous voyez très bien sur cet arbre-là, et éventuellement sur les autres, c'est que le lierre s'arrête toujours avant 3-4 mètres avant la canopée. Il n'a pas assez d'énergie, pas assez de force pour prendre le dessus sur l'arbre. Hein, on parlait des cohabitations, du lierre qui ne fait pas mourir les arbres. Là, sur tous les arbres, vous avez ce phénomène, sauf ici. Ici, vous avez un bouquet de frênes mais qui est en fin de cycle, on va dire. Celui-là, ça sera dans 5 ans à peu près, on voit déjà des dépérissements. Donc là, typiquement, cet arbre-là, je veux absolument le conserver. Il est, ben là, vous voyez bien, il est dans la vigne presque. Hein. Il fait de la concurrence avérée. Et lui, et surtout ceux-là, si vous voyez bien, ils sont en descente de cime. C'est-à-dire que là, l'arbre a déjà programmé sa fin de vie. Il a vu que là, il n'y arriverait plus à alimenter correctement en sève les extrémités, de par la densité, de par son âge. Et je peux vous affirmer que ce n'est pas le lierre qui est en train de le faire crever, c'est lui qui est en fin de cycle. Donc lui, en fin de cycle, il dit « je réduis la voilure ». En réduisant la voilure, il fait cette fameuse descente de cime, donc dessèchement de toutes les extrémités, pour repartir plus bas. Et bien là, ce bouquet, comme ce binôme ici, là ça demande un matériel spécifique, hein, soit c'est un grimpeur élagueur, soit c'est des nacelles, mais ici on peut tailler, rabaisser l'arbre des deux tiers, à peu près, et en rabaissant l'arbre des deux tiers, bien, on va réitérer les racines qui sont ici dans la vigne, et puis on va lui permettre de repartir. C'est-à-dire qu'on va tout simplement anticiper sa descente de cime. Et comme on ne va pas le laisser faire tout seul et qu'on va enlever tout le bois mort, tout le bois sec et toutes ces branches que vous voyez au sol, on va le dynamiser, le réitérer complètement. Donc ça, c'est un arbre gênant peut devenir un arbre au bénéfice de la culture. Et évidemment, vous voyez la bête, il fait un peu plus d'un mètre carré au sol. Donc un peu plus d'un mètre carré au sol, ça veut dire une fois relancé, 500 mètres carrés de contact et de surface foliaire. Donc une quantité de feuilles et une quantité de BRF incroyable. Et c'est tout l'intérêt des vieux arbres, parce qu'on les voit hein, ponctués dans la vigne, tout l'intérêt des vieux arbres, au-delà de la mémoire, au-delà de la génétique, au-delà de la biodiversité qu'ils hébergent, ils ont une capacité à vous fournir de la branche éternellement, gratuitement et in situ. Et puis là, on règle le problème, parce que celui-là, comme ceux-ci, à la première tempête, ils vont tomber. Hein, donc, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on va tout tailler, tout renier, mais ici, en lisière, voyez le déport. Vous avez des frênes, ils ont des déports de 15 mètres au-dessus de la culture. Donc, évidemment, que ça, c'est plus de l'agroforesterie, parce que là, on rentre en concurrence. Tout arbre doit être taillé, qu'il soit en haie, en intra-parcellaire, au milieu de la parcelle ou en lisière, tous ces arbres-là doivent être taillés et régulés, sinon ils prendront toujours le dessus. Donc on taille, on valorise. Ici, ben, ça coûte un peu d'argent de monter avec une nacelle, des outils, s'équiper, mais derrière, il y a quand même 4 stères de bois, plus du bois broyé. Hein. Donc si on fait le calcul du bois broyé et de l'arbre projeté dans la durée, c'est-à-dire lui, il va produire tous les 3 ans une grosse quantité de BRF. Et comme le BRF, le bois broyé, la matière organique, le compost, c'est l'avenir, vous avez déjà vu une forme d'agriculture qui pourra se passer de matière organique? On va s'entretuer pour l'avoir, la matière organique. Donc elle va coûter de plus en plus cher, donc elle sera de toute façon de plus en plus rare, sauf que nous, on est tout ou partie, parce que là aussi, hein, dans ce schéma de la transition, je ne suis pas en train de dire autonomie totale et absolue, mais vous pourrez en produire de façon conséquente. Et du coup, le geste, c'est je fais des couverts végétaux, j'ai des systèmes agroforestiers et j'injecte de la matière organique produite sur mon territoire. Mais les trois combinés, c'est vachement intéressant. Hein ? Plus on fait des couverts qui vont bien, plus on a des arbres plantés autour et dans les vignes qui fonctionnent, moins on a besoin des apports extérieurs. Moins on a besoin de cette matière, je ne sais plus comment il faut l'appeler, mais cette matière artificielle, entre parenthèses. Parce que mon système alimente correctement son sol et la ration est à peu près équilibrée. L'arbre,
j'aime pas trop donner des recettes de cuisine, mais quand on mettra une trentaine d'arbres à l'hectare, où on a des axes où la lumière rentre bien, où on plante nord-sud par exemple, et il y a vraiment besoin de créer ce microclimat favorable, on taillera tous les 5-6 ans. Donc on taillera soit des brins de 2 cm, soit des brins de 4-5 cm. L'idée, c'est de ne pas faire des grosses tailles et des grosses plaies. L'idée de l'arbre têtard, en fonction de son essence, en fonction de sa dynamique de pousse, de sa position à l'échelle du bassin versant, de la qualité du sol, de sa réserve hydrique, on va tailler entre 2 et 6-7 ans, pour vous donner un ordre d'idée. L'idée, c'est de ne pas faire des grosses plaies, des gros brins, c'est de tailler assez souvent. Aussi parce qu'en taillant assez souvent, on rééclaire, et aussi parce qu'en taillant assez souvent, on injecte ce fameux bois broyé, surtout si j'apprends qu'il y aura un broyeur mutualisé, enfin peu importe. Mais globalement, ce que j'ai fait sur le sol, vous ne l'avez pas bien vu, mais c'est des brins entre 20, 30 et 40 mm. Plus, c'est pas la peine. C'est aussi comme ça qu'on a un bon recouvrement, une bonne redynamique de pousse de l'arbre. Ici, il est temps de tailler, vous voyez. Là, il y a du gros bois. Ça va, hein, ça passe dans les broyeurs. Là, c'est le moment. Ça a été taillé. Je ne sais pas, c'est un petit peu difficile à dire. Surtout que là, vous voyez... Non, ça, c'est pas l'an dernier, ça. Non, devant tes brins, devant là. Ah oui, d'accord. Vous voyez, là, si j'étais en vigne, ce brin, je l'enlèverais tout de suite et je le ferais disparaître. C'est-à-dire que quand je taille ma vigne, s'il repart, j'enlève les 3 ou 4 bourgeons qui redémarrent pour ne garder que la tête et surtout cette fameuse verticalité. Moi, ça risque de m'embêter dans la vigne. Hein ? Il faut que je passe. Enfin, on va pas laisser des autoroutes. On va faire en sorte. Donc ça, au pied, j'enlève. Je restructure la tête. Ces brins latéraux, je les enlève au sécateur à main. Et après, c'est terminé. Hein ? À peu près. On ne met pas forcément tout à blanc. Hein. Ça dépendra aussi du besoin. Il y a vraiment des zones qui auront besoin de garder un peu de demi-ombre. Mais par contre, si on ne met pas tout à blanc, on taille quand même toujours au même endroit. C'est pour ça que c'est bien de créer la trogne à la hauteur. Ceci dit, on l'a vu ici chez DU. Hein, la haie de charme était combien, un mètre ou deux plus haut, et vous l'avez rabaissée. Hein. Vous voyez là, ce qui est bien, c'est qu'on peut, avec ces arbres, on peut toujours moduler. C'est-à-dire qu'on est trop bas, on remonte, on est très haut, on redescend. Si on s'est trompé sur une trogne d'érable, qu'on l'a faite à 3 mètres, et puis finalement, il faut la remettre à 2 mètres, on la recoupe et elle repartira. Dans le système fourrager, on enlève une partie de la trogne. Aussi parce qu'on taille en vert. Donc ça évite de perturber complètement l'arbre. Mais c'est pour ça que le système, vous allez vraiment vous l'approprier, vous allez vraiment le vivre. Après, attention, hein, parce qu'il y a un virus, hein. Quand vous avez le virus de la trogne, vous en voyez partout. Hein. Et vous ne pouvez plus vous en défaire. Hein. Ça, à côté, la dentelle, ça ne vous fait rien. Quoi, hein. Parce que la dentelle, c'est toujours pareil. Hein. C'est juste la couleur qui change. Mais la trogne, tchac, boum, bam. Et effectivement, vous adaptez en fonction de vos besoins. Hein, dans les zones un peu humides, avec un peu d'hydromorphie, pour réguler, pour retrouver la verticalité. Ben là, typiquement, je suis dans la vigne. Il ne sera pas comme ça, mais un accident, un chevreuil fait qu'il sera peut-être comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais pas besoin de la tronçonneuse thermique, mais enfin, bon, on verra. Ouais, l'électrique, on a abandonné. Je vais essayer de... Alors du coup, là, le premier geste à faire, évidemment, c'est de le dédoubler. On va pas garder deux pieds, on n'a pas besoin de ça. Donc là, je vais travailler et enlever. Putain, ça fait les bras. Ah ! Et il faudrait qu'on apprenne à affûter les outils en champagne, hein, parce que... Voilà, et oui. Donc, je sors ça, après je le travaille comme ça, pour lui redonner toute la verticalité. J'enlève les petits brins que je vais faire plus finement. Hein, chaque outil doit être à sa place. Vous le savez, ici, il y a un bourrelet cicatriciel que je ne touche jamais, hein, c'est lui qui referme la plaie, donc lui en aucun cas je le coupe, je coupe juste au ras, je ne laisse pas non plus un chicot de 2 cm qu'il n'arrivera pas à recouvrir, et puis je l'élabore comme ça tranquillement. Voilà, ça va ressembler à ça. Alors là, du coup, vous voulez une trogne à quelle hauteur? On est chez qui là? À 2,50 m? Bien, impeccable.
Du coup, en le taillant comme ça, il va vraiment reprendre hein, la verticalité. Vous voyez l'auto-élagage, là, il est déjà en train d'enlever des brins. Hein, il y a de l'espace. Ce qu'on fait, nous, on accélère ça. Vous voyez, le brin, là, il tombe. Celui-là aussi. Hein. Donc, on continue. Celui-là, prêt à partir. 2,50 m, vous la voulez ? Impeccable. En bordure, hop là. Et bien là, de toute façon, on y est, donc ça tombe bien. Hein. Absolument. Hein, donc là, toujours pareil. La tête est créée, elle est définitive, ou pas, puisque dans 5 ans, on va le ramener ici, mais il n'y a pas de raison, de par sa position. La tête est créée, c'est là que ça se passe. Donc évidemment, je suis dans la vigne, je passe souvent, il sort un brin là, on les laisse faire, hein, parce que c'est bien que l'arbre tronier fasse un peu de photosynthèse, puisqu'il va continuer à aller chercher le CO2 dans l'atmosphère, c'est bien qu'il fasse un peu de photosynthèse. Et puis l'hiver prochain, on enlève les brins qui sont sur le tronc, on laisse faire la tête, et puis là, c'est parti, on le retaille dans 3-4 ans, on verra, hein, quelque chose comme ça. Là, on peut faire la tronie ici, on peut, là, vous avez, on peut être beaucoup plus haut, hein, et on peut être, mais là, il n'y a pas de... Là, on l'a volontairement... Enfin, j'avais pas le choix, j'ai laissé sur des départs, donc là, il y a plein de bourgeons latents, donc c'est encore mieux, mais je vous garantis, on verra tout à l'heure, mais je le coupe ici, ça fait une trogne aussi, là, on est à 1 mètre à peine. C'est mieux parce que là, par rapport au vent, s'il repousse beaucoup en haut, ça marchera. À partir d'une trogne plus basse sur un arbre qui a... S'il y a beaucoup, beaucoup de vent, puis en fonction des contraintes, des besoins. Mais là, vous avez... C'est vraiment pour ça que le champ est énorme, le champ des possibles est énormissime. Vous avez toute latitude à faire ce que vous voulez. Clairement. Mais là, vous pouvez effectivement repartir. Ici, on va chercher une bouture comme ça, par exemple. Ouais. Voilà, là du coup, je prends du bois de entre 1 et 2 ans, ici, comme ça. Ça, si vous le taillez en biseau, un petit peu, vous le plantez de, combien ça fait ça, 50. Vous le plantez de 50, et éventuellement vous vous aidez d'un piquet en fer ou d'une barre à mine, vous le plantez de 50, et là, dans un sol, qui est correctement... alimenté en eau, hein. Il ne faut pas qu'il y ait des fentes de retraite 3 cm l'été, mais là vous avez un arbre. Ça peut être aussi, effectivement, là c'est la formule simple, hein. Ça peut être aussi dans des cas de figure, on va travailler avec le peuplier noir, hein, dans ces systèmes agroforestiers viti, tenir un talus, aller un peu plus vite. Moi je me souviendrai toujours de ma jeunesse agroforestière où mon père avait fait une clôture et vite fait bien fait pour les vaches, avec du bois vert, avec tout ce qu'il avait récupéré, c'est-à-dire du saule et du peuplier. Et 2 ans après, il y avait une haie absolument magnifique. Le fil avait disparu sous la clôture. Ça, c'est pas mal aussi pour faire les haies plessées, les haies tressées, qui font les barrières. On coupe le brin, on le met à l'horizontale et effectivement, on peut... Après, dans un souci de diversité, on ne fera jamais que du saule. Et puis, on ira aussi, par rapport aux boutures, on veillera à prélever... quand on bouture, sur des arbres différents, hein, pour avoir un bagage génétique, pour ne pas reproduire les schémas du passé, pour avoir des bagages génétiques variés. On ira en chercher un peu là-bas, un peu ici et un peu ailleurs. Parce que si on prend uniquement, si on prélève toujours sur la même plante, on a un bagage génétique. Là, on fait des clones en l'occurrence. Hein. On fait des clones, hein. On a des bagages génétiques, même si quand les arbres vieillissent, ils s'ouvrent un petit peu, qui sont identiques. Ce qui n'est pas en cas, et on le voit aujourd'hui dans certaines zones sur le frêne, hein, avec la calarose. On l'a vu sur l'orme il y a 30 ans, et puis on l'avait vu il y a quelques centaines d'années. Faire gaffe à avoir une génétique large et ouverte, toujours, toujours. Hein, l'idée de cette agroforesterie, je taille la lisière, je plante au milieu, je gère sous la ronce, souvenez-vous, ronce berceau du chêne, je laisse pousser, ici je mets un fil, et puis voilà, là j'ai un arbre qui va faire de l'ombre pendant longtemps aux animaux, et puis restaurer les vieux arbres, alors celui-là c'est un arbre agroforestier par définition, puisqu'il y a longtemps qu'il voit des vaches dessous, enfin des animaux en tout cas, hein. C'est le pré-verger, lui non taillé, il va crever. Taillé et repris sur des brins, on le voit d'ailleurs, hein. On voit qu'à 2 mètres, il y a du bois jeune, il y a du brin vigoureux, mais si on le descend plusieurs fois et qu'on remet tout sur le brin vigoureux, l'arbre il va comprendre ça, parce que là il passe une énergie incroyable à essayer d'alimenter des brins qui sont morts ou sénescents. Si on enlève tout le bois mort, les bois sénescents, et qu'on laisse juste des circulations de sève
là où il y a du brin jeune, il va repartir. Ça veut dire que cet arbre-là, en le taillant deux fois, dans 10 ans, on ne se rend pas compte, il est super dynamique, il est touffu, il est dru, il produit beaucoup de fruits, et puis encore, j'insiste, hein, il est aussi la ressource génétique. On va, dans quelques années, là, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais on va courir après ces variétés, au-delà du fait qu'elles soient locales, mais qui sont adaptées, qui sont goûteuses, qui sont sympas, qui ont tout un tas d'intérêts, y compris l'intérêt personnel d'avoir pas loin de la parcelle de vigne un fruit que je vais cueillir comme ça en passant. Rien que ça, c'est pas... Il y a aussi... On l'oublie parfois, mais dans l'agroforesterie, d'ailleurs ne croyez pas qu'entre vous et moi, il y a un barbelé, il y a une frontière. Hein, c'est... dans cette notion d'agroforesterie au sens large, hein, des jeunes, des moins jeunes, on a besoin de ces classes-là, ces classes d'âge, cette diversité. Là-bas, je suis très content qu'en bordure de vigne, il y ait du lierre, il y ait du bois mort, il y ait des vieux et des jeunes arbres. Hein, les classes d'âge, la diversité, le bois mort par rapport à toutes ces fonctions, y compris de régénération du sol. Il y a le produit commercial, parlons de marketing, j'ai fait un geste fort, j'ai stocké du carbone, produit de la biodiversité, atténué les questions de changement climatique. Et puis ne l'oublions pas, enfin, je ne sais pas si ça vous touche ou pas, mais beaucoup nous le disent, y compris chez des agriculteurs au sens large, dont on n'aurait pas imaginé que c'était une entrée en matière, c'est le plaisir personnel. J'ai planté, j'ai des fruits, je vais dans mes parcelles, il y a autre chose que juste ma culture, qu'elle soit pérenne comme la vigne ou autre, peu importe. Hein. Et ça, c'est pas anodin de retrouver ces formes, ces couleurs, ces senteurs, ces odeurs, ces fruits, c'est tout ce que vous voulez. Hein? Même principe. Bon, en plus, il a été pâturé, abîmé. Alors vous le voulez à quelle hauteur celui-là? Parce que visiblement... 2,50 m. À ma hauteur. On a la tronçonneuse là, la thermique? Une de plus. Alors voilà un arbre qui supporte très très mal le trognage, c'est le merisier. Ici c'est un cerisier, il repart du pied, donc cerisier greffé en variété. Et puis là c'est le porte-greffe, le sauvage qui repart, souvent du merisier, pas que. Donc vous avez un arbre qui va finir par tomber, qui va finir par s'effondrer, et ne serait-ce que parce qu'il y a un coup de neige dans ces climats changeants et perturbants. Bon. Vous voyez qu'il y a une branche cassée, donc il y a un point de rupture. Il y a une cavité à l'intérieur, donc ça c'est bien, mais une cavité ici, ça c'est pas ce qu'on va chercher. Donc ici on cherche la cavité pour la chauve-souris, pour la chouette hulotte, pour l'essaim d'abeilles, pas forcément de frelons, hein, mais d'abeilles, etc. Mais si on cherche la cavité, il faut faire attention à ne pas laisser des charpentières énormissimes, parce qu'on a quand même un point de fragilité. Cavité, c'est bien, mais cavité, souvent, ça peut rimer avec fragilité. Au-dessus de nous, on a des brins cassés. On a des brins qui sont séchants. Hein, donc, là, on parle plus de taille douce, en l'occurrence, hein, sur un arbre fruitier. Il faut y aller progressivement, mais enlever du bois mort. Et puis, vous le voyez bien sur le brin qui est au-dessus, du coup, au-dessus de moi, comme ça, c'est plus simple. Sur le brin qui est au-dessus de moi, vous voyez, il y a du brin très poussant et du brin et du bois jaune. Qui est plus clair. Hein. Donc il est évident que c'est tous ces bois-là qu'on va favoriser. Ça veut dire qu'à terme, on enlèvera quelques centaines de kilos sur le brin central, il y a le gros brin central. Si on lui enlève quelques centaines de kilos, parce qu'ici, quand vous avez du vent à 60 km/h, ça se transforme en tonnes. Les kilos se transforment vite en tonnes, surtout quand il y a des feuilles. Et éventuellement, quand il est chargé en fruits, parce qu'il fructifie bien. Donc, l'idée de le rabaisser, de l'alléger, et puis laisser du bois jeune et du bois frais, c'est intéressant. On va planter comme prévu 300 arbres, hein, donc vous êtes tous prêts, motivés. Donc, on démarre avec l'érable champêtre. Donc, on est dans la norme, 30-60, il fait un bon 60, mais ça va. Hein. Bien trapu, chevelu, un bon collet, bien développé, un arbre fort, hein, c'est pas... C'est pas un fil de fer,
il est bien conformé. Alors on va le rafraîchir un petit peu, puisque celui-là, il va nous faire une trogne à 2 mètres, si ma mémoire est bonne. Donc qui dit trogne à 2 mètres, c'est pas la peine qu'il ait de la branche basse, comme il y en a un petit peu. Donc on va faire un premier rafraîchissement de plantation. Alors, on va lui en laisser, bien évidemment, hein, parce qu'un arbre, il faut que ça fasse de la photosynthèse. La question qui est posée, c'est 2/3 de branche, 1/3 de tronc. Jamais juste une branche au bout. Hein, pour faire de la feuille, il faut quand même de la branche. Donc la règle, c'est 2/3 de tronc, 1/3 pardon, de tronc, 2/3 de branche à peu près. Et puis on va faire aussi donc super chevelu, donc très bonne génétique, très bonne origine locale, joli chevelu qu'on va rafraîchir un petit peu. Hein, il ne faut pas avoir peur de rafraîchir, parce que ces racines-là, quand on va planter, on risque de les mettre en travers, de les coincer, de les faire tourner, de les faire partir plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Il est bien évident que l'arbre va pousser sur le jeune chevelu qui va développer au printemps, d'où l'importance de la perte de plantation. Donc le rafraîchissement de la racine, à peu près, ça dépend des plants, mais globalement, on va enlever un bon tiers. Hein ? On va enlever un bon tiers, on va faire quelque chose comme ça de propre et d'équilibré. Voilà. Donc là, le plant est prêt à être planté. Donc le travail du sol est fait. Sous-solé, affiné, la terre est fine. Donc ici, je plante sur la ligne. Ça rentre tout seul, puisque j'ai créé ma structure avec un outil qui s'appelle la sous-soleuse. Donc le trou, ben, c'est comme ça. Deux petits coups de bêche, ça suffit amplement. Et ici, je vais disposer, donc je vais arranger un petit peu. Donc je vais poser l'arbre dans le trou, sans contraindre la racine. Donc je vais faire le trou. J'aurai, et vous avez des fruitiers ici, des fruitiers greffés en variété, qui font 2 mètres de haut, donc avec un système racinaire un peu plus développé. Au cas par cas, pour l'arbre fruitier, vous ferez un trou en conséquence. Mais pour le jeune plant, la viorne ici, le cornouiller là, pour le jeune plant, on fait un trou, après rafraîchissement de la racine, à la taille du plant. C'est pour ça que la plantation, ça va vite et bien. C'est pour ça qu'on plante 50 arbres par jour et par personne. C'est pour ça qu'on plante 100 mètres de haies par jour et par personne, parce que le trou est fait par la préparation du sol. Donc ce qui est important à ce stade-là, on parle de collet. Hein, la différence entre la partie souterraine et la partie aérienne, c'est le collet. Donc le collet, en aucun cas, il doit être complètement enterré, et en aucun cas il doit être complètement 10 cm au-dessus de la surface. Il est au niveau du sol. Donc il est souvent un peu plus foncé. Bon, on finit par le voir, on finit par le comprendre. Si on regarde ici sur la viorne, vous voyez, là donc ça veut dire qu'ici on est au niveau du sol. Ça, il faut faire extrêmement attention, parce qu'à 3 cm d'écart, le plant est enterré et va pousser beaucoup moins bien. Et à 3 cm d'écart dans l'autre sens, ben, vous allez avoir de la racine à l'air. Ça, c'est impensable. Les racines, elles sont arrachées la semaine dernière, tenues dans du sable et plantées dès que possible, et maintenues dans la remorque, dans le sable en permanence. Ça veut dire que vous êtes les opérateurs, vous êtes les amplificateurs du mouvement de cette agroforesterie viticole champenoise, n'est-ce pas? Mais derrière vous, vous allez avoir vos équipes, vos copains, la famille qui va venir planter. Donc chacun d'entre vous devient le chef du chantier. Chef de chantier de la plantation de ces arbres. Il faut être extrêmement prudent, parce que là aussi, les étapes sont importantes. Donc je reprends mon érable champêtre, celui qui a coévolué avec la vigne depuis fort longtemps, je le mets en place dans le trou sans le forcer, j'ai le collet au niveau du sol, tranquillement, et là, ici je l'enlève, parce que c'est une motte, ici je vais faire tomber, naturellement, de la terre fine, au pied du plant. Et chose qui est très très importante, c'est aussi pour ça que je mets des gants, après chacun fait ce qu'il veut, mais je mets des gants parce qu'il faut appuyer avec les doigts, et là bon, il fait un peu froid, et quand vous appuyez avec les doigts, des fois ça éclate. Donc, et là tranquillement, je viens mettre de la terre fine, deuxième couche de terre fine. Les terres moses ici. J'appuie à nouveau. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas besoin d'arroser. Hein. Cette histoire de coller les racines avec la terre, c'est en appuyant au fur et à mesure avec les doigts. Et là, j'avance tranquillement. Vous voyez, la terre est belle, elle est fine. Elle ne colle pas trop. C'est un petit peu juste, hein, mais ça, vous l'aviez compris. Mais là, ça se passe plutôt bien. Je continue.
Bon, je le fais au ralenti, hein. En principe, on va un peu plus vite que ça, pour que vous voyez bien le geste. De la terre fine, nickel, ressuyé, et là, mon arbre est planté. Le dernier geste, en fonction de l'humidité, c'est toujours, et c'est impératif, éventuellement, je le tiens un petit peu, et je viens ici finir de coller tout ça en le tassant obligatoirement au pied. C'est aussi pour ça qu'on ne plante pas les jours de gel, parce qu'il n'y a que des mottes, ça abîme les racines. On ne plante pas les jours de pluie parce que ça colle dans tous les sens. Vous voyez, là, ça ne colle pas. Là, bon, je vais ramener un petit peu de terre, je suis descendu un petit peu bas. Donc là, il est planté. Hop, merci. Je vais mettre un tuteur. À peu près là, voyons, une protection. Merci. Alors les protections, il faut les triturer un petit peu. Parce qu'au départ, elles sont... Alors ce qu'on fait pour le haut, on les retourne un petit peu, déjà ça les tient mieux. Il faut les travailler un petit peu à la main, hein, parce qu'évidemment, pour des raisons de stockage évidentes, elles sont à plat et après il faut qu'elles soient un petit peu. Donc là, vous aviez déjà vu ça probablement, ou pas, hein? La protection climatique qui fait de l'ombre, qui laisse passer l'air, c'est important, hein, parce qu'un arbre comme ça, il ne va pas aimer avoir de la surchauffe. Est-ce qu'on a une masse? Bon, je n'appelle pas ça une masse, mais ok. Pas grave. C'est bon? Donc le piquet, la chaussette. Donc là, extrême prudence. Hein, c'est un moment un peu délicat. Pour les arbres, de bien ne pas couper, ne pas casser le bourgeon apical, et puis rentrer comme ça en douceur dans la chaussette. Voilà, je sais pas si vous avez une agrafeuse ou pas, ce qui n'est pas très grave, hein, on le fera plus tard. Là, l'idée, c'est de protéger l'arbre. Il a de la place, il est impeccable. Il est dedans. Le piquet, vous voyez, je l'ai planté au moins à la hauteur de la protection, parce que tout ça, il faut que ça tienne longtemps. Donc là, je vous conseille vivement d'agrafer. Donc tu t'en mets combien sur la longueur, non? Au moins 3. Au moins 3, je vous conseille vivement d'agrafer, parce que là, le moindre... Ah bah, les chevreuils, vous remontez. Le chevreuil, il vous les remonte, enfin, etc., etc. Donc, c'est pas, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, hein. Mais l'agrafage, c'est quand même très important. Et puis, arrive la dernière étape, tout aussi importante. Donc j'ai un arbre qui est droit, un piquet qui est droit, une protection qui est ouverte. Là, je la plie parce que déjà en la pliant, ça lui permet de mieux la tenir ouverte. Et ça permet aussi, quand l'arbre va sortir avec le vent, d'éviter d'être abîmé par le frottement. C'est des petits gestes techniques qui sont des détails. Et puis ici, l'étape ultime. Alors, je ne l'ai pas dit, pardon, j'ai fait en sorte... Ça ne se voit pas bien, mais ça se devine un petit peu. J'ai fait en sorte de faire une petite cuvette, comme ça... Bah, quand j'ai des abados un peu violents, cette cuvette va me récupérer l'eau. Vous voyez ici, je vais virer la bêche. Je peux remettre quelques mottes pour faire un petit bassin de rétention. Le sol est préparé, le sol est propre. Il n'y a pas de plantes adventices concurrentes et c'est là que je vais installer. Donc, l'idée de la paille, c'est très beau. J'espère pour vous qu'il va pleuvoir. Quand vous avez la possibilité d'acheter de la paille pas chère et même qu'on vous la donne, plus elle est pas pourrie, n'exagérons rien, mais plus elle a pris la flotte, hein, plus personne en veut, mieux elle est pour la plantation. Parce qu'on est sûr qu'elle est opaque et on est sûr qu'elle ne bougera pas. Bon, ça veut dire que là, il faudra surveiller un petit peu, mais bon.
veux bien l'autre caisse parce que... Merci beaucoup. Là, ça paraît... Donc c'est bien de la prendre comme ça en tampon. Moins on la défait, mieux c'est. Ça c'est... Voilà. Bon aucun. Ça, les racines sont hors jeu. Donc là c'est le minimum. C'est le minimum vital. Je vais planter le second. En suivant, donc je vais planter un arbuste qu'on ne protégera pas. Ça, ces protections-là, elles sont faites pour les arbres dits de haut jet. Les autres, comme vous le voyez, enfin là on le voit un peu moins sur la viande, mais ça, c'est le bourrage de lait, donc c'est de l'arbuste qui va pousser en CP. Donc lui, on ne le protégera pas, en tout cas pas de la même façon. Après, je ne sais pas, il y a une grosse pression du lapin ici. Moi en culture j'ai beaucoup de lièvres mis des protections mais moitié des protections. Oui, après il faut, si ça doit être protégé, ça sera fait avec d'autres protections. Ça c'est vraiment fait pour les arbres que l'on va faire monter. Et après quand on, pour certains, ceux qui planteront des arbres sous le rang, taillés en trogne basse, on coupera la protection en deux. Ah ouais. Et pour les fruitiers, tu fais comment alors greffer pour mettre. Alors sur les fruitiers greffés, il faudra vous procurer une protection qui s'appelle surtronc. C'est une protection qui s'enroule. Sur toute la longueur, sur le tronc. Mais dans tous les cas, et surtout pour les fruitiers, ne vous amusez pas à planter un arbre pas protégé. Parce qu'une écorce de fruitier en variété, comme ils sont là dans la remorque, le chevreuil va vous les massacrer. Alors, même opération presque pour le cornouiller ici, qui va venir à côté pour faire du bourrage dans la haie, à côté de l'érable qui lui sera un peu plus haut. Lui, je ne vais pas beaucoup le rafraîchir parce que les racines, soit ça a été, a priori ça a été fait déjà. Ça a été fait à l'arrachage, ils ont, comme il y en avait beaucoup, le cornouiller ça racine beaucoup, vite et bien, ils les ont déjà rafraîchis. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça évite de transporter de la racine. Donc c'est pas un problème. Donc lui là, vous voyez typiquement, il y a un brin cassé, nécrosé. Ça arrive dans un lot, ce qui n'est pas un problème. Il y a une taille, je l'enlève et je repars sur un brin qui est tout frais, tout neuf ici. Et puis là, ça c'est un arbuste. Ce qu'on lui demande, son boulot lui, c'est de remplir le bas, c'est de remplir le vent qui arrive comme ça en haut, les couloirs de vent. Donc si on veut remplir le bas, le boulot du cornouiller, c'est de prendre cette place là et c'est d'être tenu par les arbres de auget. Ici, si ma mémoire est bonne, il y a un peu de tilleul, un peu d'érable, et de la lisière terminale notamment. Donc lui, puisqu'il est très vigoureux, puisqu'il est bien parti, on va déjà, alors ça c'est en principe un travail que l'on fait en année 2 ou 3, mais ça c'est un plan qui a 2 ans, mais comme il est très bien, on le prend, on prend du plan d'un an, mais quand il est 2 et qu'il va bien, on le prend, et lui, on va commencer à le recéper, c'est-à-dire que on va travailler les brins ici, pour le diminuer. Bon, allez, on va dire que c'est une mini-trogne, même si c'est pas tout à fait le cas. Ici, il y a les brins secs, donc je vais les enlever. Puisque comme il était en pépinière et qu'ils se touchaient tous. Voilà, quelque chose qui est à peu près homogène, équilibré, et qui lui va repartir en CP. Donc lui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brins, il va repartir tout de suite sur 7 x 2, 14. Il va en sortir 2 latéraux de chaque côté. Et donc, du coup, j'aurai ma touffe basse, très épaisse tout de suite. Donc là, je gagne un petit peu de temps sur les tailles à venir. Voilà. Même geste, celui de la plantation. Donc je plante ici à côté. La terre est fine, la terre est belle. Là, vous voyez, je le creuse volontairement devant vous à la main. Oui, il n'y a pas un gros trou à faire. Il n'y a pas un gros trou à faire. La structure est bonne. Donc là, je n'ai pas besoin de m'embêter. À la main, j'y vais. Et je tasse au fur et à mesure, tout le temps. Pas de motte et pas de poche d'air. On ne veut pas du béton. On veut juste refaire une structure normale et correctement agglomérée. Il va falloir deux caisses à vendange de paille. Obligatoire, sauf, mais vous ne planterez pas dans des conditions debout, obligatoire de tasser au pied. Très très important de tasser au pied. Il roule avec vous là, tout le temps. Cette motte, je l'évacue. Et là, mon cornouiller est planté. Troisième, Vjorn, il est là.
Et du coup, pas tuteur. Après, dans certains cas, on gardera prudence, mais toute cette histoire-là de cet arbre comme maillon dans la chaîne de reconstruction des sols, si à côté j'ai un espace qui est bien occupé par un couvert ou par une herbe, enfin par une prairie, etc., l'arbre il va rester à sa place. Donc vous voyez, ici la viorne, je vais la rabattre un petit peu, je vais l'équilibrer, donc je vais la rabattre sur ses yeux là, comme ça j'ai quelque chose qui est très homogène, hein, j'avais un brin qui tirait un peu plus, et puis ben, vous voyez, hein, là c'est bien parce que la terre, donc on voit que c'est des plants qui sont produits dans de la bonne terre, donc c'est une bonne chose, plutôt que d'être produit dans quelque chose, un substrat très riche avec beaucoup d'engraissement. Homogène, équilibré, il n'y a pas de racine qui est tournée. Mais là, vous voyez, évidemment, c'est très visible. Ce brin-là, je vais le couper. Parce que ce brin-là, je suis sûr de le foutre en travers et je suis sûr de le faire remonter. Et comme je vous l'ai dit, et vous le savez, l'arbre, il va pousser sur les radicelles jaunes et fines. J'enlève. Là, il y en a une qui est un peu tordue, là, du coup, qui part à l'horizontale. Hein, il y en a une un peu importante ici, qui est très horizontale. Donc, je vais l'enlever pour favoriser celles qui sont à côté pour repartir plutôt en bas. Que ce soit un arbre ou un arbuste, on ne veut pas que ça aille dans l'espace utilisé par la vigne. Donc il faut que ça plonge. Et ici, je ne sais pas à combien ça a été sous-solé, mais il faut que ça plonge 50 vraiment. Maximum. Oui, ben voilà. Très bien. Donc le suivant, il est ici au piquet, c'est ça? Les haies, quand on les fait, on les compose ensemble. Les haies, on les compose dans le projet. Et là, il y a un projet qu'on respecte. Hein. Il y a une fiche de plantation. On respecte scrupuleusement l'ordre établi. Ça veut dire que dans deux cas, il y a des zones particulières. Entre le haut de la vigne et le bas, il peut y avoir une différence importante de sol. L'idée, c'est d'avoir une règle de base. Et ici, on va faire en sorte, par exemple, tu me diras si je dis une bêtise, mais ici, on a prévu un alignement de tilleuls. Hein, ce qu'on va vouloir voir plus tard, voilà, c'est des tilleuls de façon régulière. Donc, on va respecter. Après, qu'on mette un arbuste à la place d'un autre, globalement, ça ne change pas grand-chose. Mais la trame première, surtout ici sur un cheminement, surtout sur un alignement, parce que là, on souhaite faire un alignement structurant dans le paysage, ça, par contre, on va le respecter. Mais chacun des projets qui ont été faits et chacun des projets qui resteront à faire seront structurés comme ça. On sort ensemble avec vos besoins, vos envies et un projet de plantation. Donc là, j'ai la terre qui est impeccable. J'ai toujours un ver de terre par trou, donc d'ailleurs celui-là est un peu mieux nourri que l'autre, il est un peu plus rouge vif, donc tout va bien, je le mets dans la paille tout de suite. Après, si vous pouvez vous amener un peu de paille, si c'est pas trop compliqué, on va pailler. En règle générale, la terre que j'utilise pour faire le trou, je ne la réutilise pas. Il vaut mieux aller chercher, c'est un détail, mais il vaut mieux que vous alliez chercher sur le pourtour la terre fine, comme ça en allant chercher sur le pourtour, vous faites la cuvette. Hein? Et ça, ben, quand vous plantez, vous regardez bien, les cuvettes, il faut qu'elles se voient en principe. Je pense qu'il vaut mieux mettre des piquets pour les buses. Hein, vous mettez des piquets d'au moins 2 mètres, c'est-à-dire au moins 2,60 au départ, hein, parce qu'il faut quand même les enfoncer. On met pas de piquets sur ceux-là. On peut laisser comme ça, quoi. Ouais. Pas besoin de faire une bâtonne, mais pas. Non. La buse, elle se pose. De toute façon, elle se pose là-dessus, la buse. Mais c'est vrai que dès que l'arbre va sortir, si la buse se pose, elle va le casser. 9 fois sur 10. On va casser l'arbre. Donc, si vous pouvez anticiper, et tant mieux parce qu'on l'a dit, hein, ça permettra de réguler les mulots et les problèmes. Après, je le dis ici parce que je ne connais pas bien le territoire, là tout de suite. Si les arbustes sont un peu touchés ou un peu trop touchés par les lièvres, il faudra les protéger. Parce que là, on leur mettra un tuteur, on saura où ils sont. Et on mettra une protection. Alors là, quand même. Quoi, là, comme protection, hein, là, il y a des filets lapins. Des filets lapins, mais qui sont beaucoup moins grands, qui font 50. Donc lui, par contre. Il n'a pas pour une heure. Il est bien évident que là, il fait froid, c'est l'hiver, il va neiger demain. Vous faites quand même. La paille va se tasser, hein. Donc là, elle va déjà, quand il aura enfin l'hiver, elle va perdre la moitié du volume, ce qui est bien. Et après, vous faites en sorte que l'arbre
voyez le jour. L'arbuste, il voit le jour. Hein. Ouais. Hein, faites en sorte qu'il voit le jour. Là, il est bien protégé, il est impeccable. Mais avec cette quantité de paille-là, au regard de la qualité du sol, de la vie qu'il y a déjà, et de la quantité de vers de terre, il est fort probable qu'il faille recharger un peu. Il faut en mettre pendant combien d'années de la paille ? L'idée, c'est vraiment, j'ai 3 pouces, celle-ci plus les deux suivants, jusqu'en juin, sans herbe au pied. Cette zone-là, là, c'est 1 mètre carré pour chaque arbre, en l'occurrence, il ne doit pas y avoir d'herbe dedans. Donc, opacité totale. Totale. Oui, mais alors, quand c'est vraiment dans un rang de vigne, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Dans un rang de vigne, on va réduire un peu les doses. Mais vous ferez en sorte qu'au pied de l'arbre, si vous voulez, on est des paysans. Si je dis un mètre carré, c'est que s'il y a un peu moins, c'est pas grave. Mais si je dis un demi-mètre carré, je vais me retrouver avec des pieds de fer. On se connaît, on vous connaît. Hein. Mais là, vous le voyez, vous le savez. On peut aller voir des plantations anciennes chez les voisins. Mais si vous avez de l'herbe ici, elle va vraiment, vraiment pénaliser votre arbre. L'arbre, il ne sait pas pousser avec la graminée. Je l'ai déjà dit 10 fois, mais je sais que c'est au bout de 11 fois que ça rentre. Il ne sait pas faire, il ne sait pas se développer sur une plante qui va, une graminée ou autre, mais prenons une follavoine. Ça pompe. Ça pompe énormément, une follavoine qui, au mois de juin, sera comme ça. Hein? Donc ça pompe, concurrence sur la lumière, concurrence racinaire, et puis quand je vais tirer la follavoine ou tout autre, j'ai une chance sur deux de décoller le plant. Parce que le plant, il aura juste démarré son cycle. Il aura commencé à mettre de la radicelle fine. Et puis, c'est du boulot. Donc, l'investissement piquet, ils sont jolis, locaux, en acacia. L'investissement protection, l'investissement paillage, c'est un investissement garanti sécurité. Quand vous avez de l'herbe partout sur 150 mètres, qui va l'enlever? Quand vous avez tous les piquets qui sont couchés, qui va les remplacer? Quand vous avez 30% de mortalité ou de non-mortalité, c'est-à-dire des plants qui ne poussent pas, des plants qui végètent. Soyons clairs, si on fait le tour, la plupart des plantations un peu partout en France, elles sont faites dans de l'herbe et ça ne pousse pas. Il y a une concurrence effrénée. Il y a d'autant plus de concurrence que, vous l'avez peut-être remarqué, mais il arrive qu'il y ait des périodes de 3 mois sans pluie, voire plus. Là, on n'est pas encore, l'érable, il n'est pas encore en train de donner des indications à la vigne dans les ponts mycorhiziens. Hein. Il faut déjà qu'il s'installe, qu'il se mette en place et qu'il se mette en œuvre. Donc son système racinaire, pour l'instant, il se réduit à peau de chagrin. Donc il faut lui donner toutes les chances nécessaires et suffisantes pour que ça fonctionne. On est toujours pareil, hein. Si on plante sans paillage, une plante, ça a besoin d'un paillage. Si on plante sans paillage, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des mécanismes de lutte, hein, mécaniques ou chimiques en l'occurrence, hein, pour sortir la concurrence. Nous, ces techniques de plantation d'arbres et de haies, elles ont été réamplifiées, remises au goût du jour, je pense que c'était dans les années... Enfin, je pense pas, c'était dans les années 70, par un certain Soltner que certains d'entre vous connaissent, puisque tous ces bouquins étaient dans les lycées agricoles. Soltner, en 1974, il a écrit « L'arbre et la haie ». Les choses étaient posées. Et dans « L'arbre et la haie », il conseillait, parce que c'était... Il faut un temps pour tout, il conseillait tout type de paillage, dont un paillage plastique, qu'on a un peu trop utilisé et que certains ont du mal à abandonner. Mais aujourd'hui, nous obligeons à ce que tous les paillages soient biodégradables. Les meilleurs d'entre eux, ils sont là, c'est ça et le bois broyé de loin. Mais dans le Soltner, le paillage, qui était parfois du paillage plastique, disait clairement, le paillage, ça permet de faire la protection, la régulation, le garder l'humidité. Et ce paillage était un paillage spécial vigne. Donc, il y a forcément une époque où on a planté de la vigne sur paillage. Parce que le paillage, moi j'ai en 90, 95, etc., j'ai déroulé des dizaines, voire des centaines de kilomètres de paillage plastique, étiqueté, spécial vigne, 3 étoiles, 80 microns. Je m'en souviens, les bobines font 50 kilos, donc quand on les a sur l'épaule, on sait qu'on s'envole pas tout de suite. Mais de reprendre... Pour les pépiniéristes, je pense. Comment ? C'est surtout pour les pépiniéristes, je pense. Alors peut-être que c'était plus pour les pépiniéristes. Je sais que dans les pays du sud et du sud-est, il y avait quand même des vignes plantées en plein sur paillage. Peut-être pas par ici, mais dans d'autres zones. Mais faites des essais. Je vois pas en quoi vous perdriez du temps, même s'il en faut beaucoup, à planter sur paillage. L'idée, pour l'instant, avant de mettre directement sur les rangs, je voulais essayer de faire, pour se faire la main, de plutôt avoir quelque chose d'assez facile, c'est-à-dire d'avoir des rangs complets.
Donc du coup, là, donc, là c'est chez mon voisin ici. Et c'était donc l'idée d'arracher une rangée, de faire un linéaire complet, et ça ferait un espèce de pont mycorhizien entre la rangée qui va être là qu'on vient de planter, le bois en haut, et éventuellement un jour d'en mettre bah, juste au-dessus, quoi, ouais, en ligne. Et donc là, c'est plus une haie de protection, de voisinage de protection. D'accord, une haie qui va monter à... Bah, alors après, si on est concret en termes de législation vis-à-vis du voisin, on n'a pas le droit de monter à plus de 2 mètres, ce que tu m'avais dit. Oui. Donc voilà, pour l'instant, on considère 2 mètres. Ce sera taillé, rogné, voilà. Hein, gentil, voilà. Contenu dans le rang pour pouvoir quand même travailler, récolter c'est un peu de L'idée, raisin. L'idée, ce n'est pas de mettre un tilleul qui fait 15 mètres de haut. Voilà, donc une petite haie, petite mais costaud, voilà, pour abriter les auxiliaires. Donc ici, il y avait érable, charbe, cornouiller, aubépine, alisier, fusain, vierne et glantier. Même chose, hein, vous voyez, je pense que vous voyez bien. Hein. Donc lui, je vais le défourcher. Là, il est fourché, je vais le défourcher parce qu'il n'y a aucune raison qu'il le soit pour l'instant, surtout dans la protection. Donc je vais laisser repartir normalement. Et puis là, ben, alors là, ça fera presque la moitié. Hein. Je vous dis, ça dépend clairement des plans. Pensez à avoir des sécateurs bien affûtés, toujours, toujours, toujours. Hein. Le but, c'est de couper, pas d'arracher le fameux chevelu. Voilà. Là, j'en ai une qui n'est pas terrible, qui retourne vers l'intérieur, qui n'a pas, pas une grande unité, qui est un peu haute, donc je vais l'enlever, etc. Pas demander à Benoît de le planter. Comme ça, on va pouvoir vérifier la dextérité et la qualité. Tu peux mettre des gants si tu veux. Ça va le faire. Ça va le faire. Tu dégages un petit peu la terre, parce que voilà. Vous n'êtes pas sympa avec le patron. Je suis aligné là. Là on voit stop, ne bouge plus. Là on voit qu'on est un peu haut. On est un peu haut. Donc je vais refaire le trou. Je vais refaire le trou parce qu'il nous manque 4 cm. Ouais bah tu sais maintenant que j'ai commencé. C'est du bon terroir, tu sais ici Fabien. Oui, on fait les mains. Donc là tu y vas, tu installes ton arbre. Tire les mottes au fond. Ouais, un petit peu, mais là ça va comme j'ai recreusé. Tu installes ton arbre. Alors, tu vois, le collet il est là. Okay. Je suis à peu près. Là, c'est bien. Parce que comme je vais faire la cuvette, je mets un centimètre. Alors, par contre, là, tu fais de la bonne. Là, voilà, la terre fine, elle est là. Ouais. Donc, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on fait? Terre fine et on tasse. Terre fine, on tient l'arbre pour qu'il soit droit parce que il est facile de planter un arbre en travers. On fait comme on peut. Tu ferais le trou d'après, tu remets dedans, non? Allez, voyons, non. Pas terrible, hein. C'est raide. Ça, c'est bon. Ah, ça va, l'herbe, j'enlève. Là, on va arranger un petit peu la chose. Là, je pense qu'en basculant ça, là maintenant qu'il y a une petite motte dessus, il n'y a plus de racines, donc c'est pas grave. Elle va s'écraser dans le reste. Là, tu tasses un peu au pied. Voilà, impeccable. Fais bien le tour, écarte un peu, si c'est possible là, tu viens tasser ici pour faire la cuvette. Voilà. Ouais, c'est pas droit. Ça va aller. Je vais te le redresser. Voilà. Qui c'est qu'un filet? Le bâton. Le piquet. En haut ou en bas, s'en fout. Pareil. Là, 1 cm plus près, vu la taille. Là, impeccable. La protection, vous la préparez, ouais, très bien. Faites-la, déformez-la. Vas-y, vas-y. Ouais, je regardais droit. Ouais. Allez, d'accord. Ah ouais, là, il faut que ça tienne. C'est pour ça que le coron est plus minutieux. Il y a encore 20 cm. Là, il faut attends. Hein, on y va tout doucement parce que là sinon on casse les tous les bourgeons, hein. Donc on y va tout doucement, la glisse comme ça et là on est bon. Agrafage après. Agrafage après. Comment? Mais ça c'est pas grave, hein. Que le piquet ne dépasse pas. D'ailleurs je serais tenté de dire que le bon curseur c'est ça. Il faut en aucun cas que le piquet dépasse parce que si le piquet dépasse c'est qu'il sera pas assez enfoncé, hein. Donc visuellement, j'ai une cuvette, j'ai un arbre qui est bien positionné au milieu de la protection, j'ai de la paille,
mètres carrés. Et voilà. Donc, la question qui a été posée, la question qui se pose, évidemment, c'est la question du projet. On est venu ici il y a quelque temps, ensemble, d'ailleurs il y avait un groupe. Pourquoi une haie là? Pourquoi une haie ici? Pourquoi des arbres là-bas au bout? À quelle fin? Et avec quels objectifs? Donc tout ça, ça a été précisé sur quel type de sol. On est bien dans un territoire, sur un terroir, dans un bassin versant, sur un îlot, une exposition, un type de sol, une qualité de sol, une pluviométrie, on avait parlé du vent, je me souviens, etc., etc., une dynamique de vent. Hein. On a bien pris tous ces éléments, tous ces paramètres. Les paramètres qui sont tout aussi importants, vous les connaissez. C'est quoi le paramètre dans un chantier de plantation? D'ailleurs, ici, c'en est la preuve formelle. C'est aussi ce qui s'appelle le voisinage, hein, la cohabitation. Moi, je veux faire de l'agroforesterie pour telle et telle raison, mais je suis dans un parcellaire qui est parfois... là, il y a une belle pièce, on va dire. Hein, il y a quelques routes, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, tu as fait le choix de planter à un mètre du voisin, sachant que la règle nous dit 50, mais tu préfères être un peu chez toi. Une haie qui, dans un premier temps, parce que les temps vont changer, une haie qui ne fera pas plus de 2 mètres de haut et qui sera taillée facilement et notamment rognée. Et puis, le premier rang, il sera tressé. Donc, on a choisi un assemblage d'arbres qui correspond au sol, qui correspond aux objectifs, la question de la biodiversité, de la génétique, qui vont pouvoir être gérés facilement, et notamment des arbres et des arbustes. Il y a un arbre qui est super plastique et très intéressant, qui pousse très bien dans ce type de sol, donc tu vas nous rappeler le pH. Ouais, mais dans ces cas-là, comme on tourne, tu dis 7,1, ça fait sérieux et tout le monde est content. Oui, 7,1, mais bien sûr. Mais bien sûr, oui. Un arbre qui est très intéressant, très plastique et qui a donc cohabité avec la vigne dont on a clairement besoin, qui est l'érable champêtre. Donc on l'a mis comme structure de base. On l'a associé ici avec du charme, on les a vus ce matin, ça pousse bien, ça garde une feuille marcescente toute l'année, donc ça fait de la nourriture, hein. La feuille est énormément broutée, ça fait aussi un abri. On a mis aussi, on vient de le planter, le cornouiller sanguin, un arbuste qui fleurit et qui fleurit bien, de l'aubépine. Et puis là, on a un cas particulier, alors ça c'est une petite cachotterie entre voisins, on a mis de la lisier terminale qui est censée monter un peu. Alors on verra, je le dis parce que la lisier terminale, c'est pas un arbre qui se taille en trogne, donc on va mettre 3-4 alisiers sur la longueur et puis... Peut-être que le voisin trouvera ça beau, intéressant, et puis si ce n'est pas le cas, on avisera. Mais globalement, on est bien d'accord que cette strate, parce qu'un alisier, avant qu'il fasse de l'ombre et qu'il pénalise qui que ce soit, on a une marge de manœuvre qui est grande, c'est un très bel arbre qui fera des touches de couleur. Ici, on a une strate qui va être taillée et gérée par la présence majoritaire des arbustes, puisqu'ici, si je regarde, je ne l'ai pas nommé, pardon, il y a aussi dans cette séquence, on parle de séquence, il y a aussi du troène des bois, qui lui aussi est mellifère, fructifie beaucoup, nourrit des oiseaux. Le troène des bois, vous le connaissez peut-être, il a une feuille, il est semi-persistant, c'est-à-dire qu'une feuille en cache l'autre. Donc ça nous intéresse aussi, hein, sur les couloirs de vent, et puis pour abriter les auxiliaires. Donc il y a majoritairement une strate arbustive, et puis on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais s'il y a vraiment de gros couloirs de vent, qu'il faut faire monter cette haie et que finalement le voisin trouve ça bien, puis là on parle du voisin, mais ça peut être chez vous. Hein, l'idée de franchir le cap de planter au milieu des vignes, c'est pas toujours simple, et on est bien d'accord. C'est l'idée de faire une première trame ici et là, c'est aussi parce que c'est faisable, de l'autre côté ça l'est pas, jusqu'à preuve du contraire, parce que les routes sortent sur le chemin, donc on peut pas attaquer, a priori on chevauche, on a des enjambeurs, donc on peut pas monter beaucoup. L'érable champêtre, on peut le tenir comme ça, ou comme ça. Ça veut dire qu'ici, en ayant cette strate-là, elle peut rester comme le charme dans les 2 mètres réglementaires. Et puis, si dans 10 ans, ça vaut le coup d'en faire monter quelques-uns, on pourra les récupérer, les rattraper, les faire un peu tard. Donc, dans ce projet, ici comme dans les autres, on garde avec ces essences, on parle de plasticité, c'est-à-dire que l'érable champêtre, il est doublement plastique. Il pousse au fond dans la vallée, au bord de l'eau, il pousse ici en haut sur le coteau, et il pousse au milieu interface, et l'arbre champêtre dans les... D'ailleurs, comme son nom l'indique, hein, c'est pas un arbre forestier, et dans les trognes, il se défend bien. Hein, on fait des trognes avec du chêne, on fait des trognes avec du frêne, avec de l'érable, du charme, du hêtre, du châtaignier. L'érable champêtre se défend très très bien. Donc
On peut faire ce que l'on veut avec. Il est extrêmement important qu'il soit présent. C'est son sol de prédilection. Donc lui, c'est une assurance, une assurance qualité pour la vigne et une assurance garantie pour la pérennité du système agroforestier que l'on va mettre, que l'on va mettre en place. On lance ça, on le met doucement. Ce que j'aime à dire, c'est que voilà, c'est une trame de départ qui évoluera, à mon avis, probablement quand les couloirs de vent seront vraiment avérés, mais qui permet encore une fois de garder toute cette plasticité. Donc chacun des projets et chacun des arbres est bien précisé sur le plan. Avec la photo satellite aérienne, ce n'est pas un problème. Avec les déclarations diverses et variées, chaque ligne d'arbre, chaque haie est précisée. Ici, c'est la haie numéro 1, elle est entre le voisin, elle est composée de troènes, d'érables, de charmes, de cornouillers, d'aubépines et d'alisiers terminales, qu'on va répéter un certain nombre de fois. L'idée étant de répartir les arbres dits de haut jet, ceux qui, même si ici elle est taillée, qui potentiellement peuvent devenir plus grands, et puis après, de faire un assemblage avec les arbustes. On ne va pas planter évidemment un cornouiller tous les 8,50 m, parce que ça se verrait, ça se jurerait. On va faire un assemblage homogène et champêtre. Ici, quelques cornouillers, là, quelques troènes, et puis à nouveau du cornouiller. Ça, on en reparlera un peu plus en détail. Par contre, si je dois faire un alignement au milieu de la vigne, ou pas d'ailleurs, mais si je dois faire un alignement d'arbres têtards avec des érables champêtres, parce que j'ai besoin à 2,50 m de haut d'un bon brise-vent, là, je vais respecter précisément cette trame-là. Dans certains cas, l'objectif est différent. L'objectif est différent, la structure, etc., etc. Si je décide de planter un érable et un mûrier chacun tous les 8 mètres, tout ça c'est précisé sur le plan. Ici c'est une haie, de l'autre côté ça sera un alignement d'arbres avec des objectifs, on va dire, complémentaires et une structure que l'on va respecter au maximum. Mais il est évident que chacun des projets doit être fait en fonction de tous ces critères, de ces objectifs, et serait tenté de dire des objectifs du planteur, du propriétaire, et des objectifs, rappelons aussi que ces objectifs de, ben, il faut que ça reste pratique, ergonomique et facile. Quelque chose qui n'est pas facile, en règle générale, ça ne va pas loin. La réglementation est très simple, moins de 2 mètres de haut, 50 cm du voisin, plus de 2 mètres de haut, 2 mètres du voisin. Il y a une autre forme de réglementation qui est celle de la mitoyenneté, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des plantations mitoyennes. À partir du moment où il y a un accord biparti. Ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive quand même de plus en plus, y compris en vigne. Trois premières années, paillage, paillage, paillage. Et puis après, entre nous, là, vous avez typiquement quelque chose que vous connaissez qui va se passer, c'est que entre la vigne et le développement de la haie arbustive, il n'y aura pas beaucoup d'herbe. Il y aura suffisamment de concurrence et suffisamment d'ombre, d'où l'importance de garder la couverture végétale paillage pendant les trois premières années. Les arbres et les arbustes, surtout là, vous avez vu, je les ai même recépés pour qu'ils fassent de jolies boules. Et puis après, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc, moi, je dirais jamais rien. Quand on plante une haie, on dit toujours que planter une haie, planter une centaine d'arbres, c'est un jour de boulot par hectare et par an. Ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais évidemment que de temps en temps, il y aura un petit coin où le paillage aura bougé, on viendra passer un petit coup de débroussailleuse. Mais globalement, on va occuper l'espace, notamment par la strate basse, pour qu'il y ait très peu d'entretien. Alors, là, pourquoi peut-être la paille, en fait, on était parti sur le BRF. Oui. Puis bon, le projet, oui. Ça a été compliqué à trouver les piquets, c'était un petit peu compliqué à trouver tout ce qu'il fallait pour planter. Donc du coup, j'ai paré au plus rapide. C'est-à-dire, je pouvais trouver de la paille facilement. Mais sinon, l'idée, c'est peut-être de remettre du BRF, qui est plus lourd. Et voilà, alors je sais pas, on prend en vrac dans une benne et puis on le... L'un n'empêche pas l'autre, mais voilà. Ça serait bien. Mais là, franchement, c'est dans un bien. Premier temps la paille et éventuellement remettre du BRF après, comme on avait dit. Ça serait idéal. Là, c'est pour mettre en place. Pour lancer, oui, mais ça... La paille, elle tiendra là, à cette densité-là, elle tiendra la première année. On sait déjà qu'il faudra la recharger. Mmh. Si elle est rechargée en bois broyé, je le répète pour les nouveaux, le bois broyé, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire en termes de paillage. Mmh. Tous les résultats le montrent et le démontrent. Et c'est pas fini, ça se tient bien.